XIV Grandes Inquiétudes Polly déposa le petit déjeuner sur la table sans quitter des yeux le téléscripteur qui dégorgeait imperturbablement les nouvelles du jour. Cette ubiquité, d'autant plus surprenante en apparence, qu'elle ne nuisait en rien à l'efficacité du service, était en réalité facilitée par la nature même du petit déjeuner en question. En effet, tous les plats qu'elle venait d'apporter étaient enveloppés individuellement dans des récipients stériles servant à la fois d'autocuiseur et d'assiette, et que l'on jetait à la poubelle après usage. Ainsi, le rôle de Polly se réduisait-il à choisir le menu, à déposer les mets sur la table, et à emporter les restes une fois le repas terminé. Ce qu'elle vit lui tira un claquement de langue et un faible gémissement de compassion rétrospective. Tout de même. Les gens sont méchants, dit-elle. Ce à quoi Darrel répliqua sans se compromettre dans un grommellement indistinct. Sa voix prit alors ce timbre criard qu'elle adoptait automatiquement lorsqu'elle se préparait à déplorer la méchanceté du monde. Encore ces Kalganais Elle disait toujours Calganais » au lieu de calganien. Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça Vous pouvez me le dire? Ils ne peuvent pas nous laisser tranquilles à la fin Encore des ennuis, toujours des ennuis Voilà ce qu'ils nous rapportent, ces gens-là. À chaque fois, c'est pareil. Regardez ce qu'ils titrent émeute devant le consulat de la Fondation. Je leur dirais bien leurs faits, moi, si je pouvais. C'est ça le problème avec les gens. Ils n'ont pas de mémoire. Ils oublient tout, docteur Darrel. C'est comme pendant la dernière guerre, après la mort du mulet. Bon, c'est vrai, je n'étais pas bien grande à l'époque. quel désastre, juste ciel, quel malheur mon oncle a été tué, Vous savez, il avait vingt ans à peine, ça faisait tout juste deux ans qu'il était marié et il avait un bébé. Je le revois encore, tiens, il avait les cheveux blonds et une fossette au menton. J'ai un tridicube de lui quelque part, et aujourd'hui sa fille a elle-même un fils dans la marine, et si jamais il arrive quelque chose. Et il y avait la défense civile et les anciens qui prenaient la garde à tour de rôle pour surveiller la stratosphère. Je me demande ce qu'ils auraient pu faire si les Calganais étaient venus jusque-là. Ma mère nous parlait tout le temps du rationnement, de la vie chère et des impôts. À l'époque, c'était difficile de joindre les deux bouts, vous savez. Vous pourriez croire que s'ils avaient deux crédits de jugeote, les gens ne voudraient plus jamais revivre une chose pareille, qu'ils en seraient dégoûtés pour toujours. D'ailleurs, les gens du peuple, je ne crois pas qu'ils y soient pour grand-chose, en fait. J'ai bien l'impression que les Kalganais préféreraient rester tranquillement dans leur famille plutôt que de partir comme ça n'importe où et d'aller se faire tuer. C'est Stettin oh, Quel sale type celui-là Je me demande comment on permet à des gens pareils de vivre. Il a tué le vieux, comment s'appelait-il déjà Talos Et maintenant, il ne rêve plus que de devenir le maître de l'univers. Et pourquoi est-ce qu'il veut nous attaquer d'abord Mystère mais il a perdu d'avance de toute façon. C'est toujours pareil en fait. Tout ça c'est peut-être déjà écrit noir sur blanc dans ce fameux plan, mais il y a des fois je me dis que c'est une honte ce plan avec toutes ces batailles et tous ces massacres. Mais pour sûr, je n'ai rien à dire de Harry Selton. Par contre, lui, il en sait certainement beaucoup plus que moi et peut-être que je suis bien sotte de mettre en doute sa valeur. En attendant, la fondation l'autre là, la, la deuxième, elle est tout aussi coupable. Ils pourraient arrêter Calgan tout de suite et tout serait fini, tout serait arrangé. Il faudra bien qu'ils y arrivent. Mais vous croyez qu'ils auraient l'idée d'intervenir avant qu'on ait commencé le gâchis Le docteur Darrel leva les yeux. Vous disiez quelque chose, Polly Polly écarquilla les yeux, puis les rétrécit avec colère. Rien, docteur Absolument rien du tout Vaut mieux tomber raide mort dans cette maison que de prononcer une seule parole. On vous dit toujours courez par-ci, courez par-là, mais essayez seulement de dire un mot. Et elle disparut en maugréant. Son départ fit sur Darrell aussi peu d'impression que son discours. Calgan? Plaisanterie. Un ennemi purement physique. Cela avait toujours été vaincu. Pourtant, il ne parvenait pas à entendre les nouvelles, à s'isoler de cette crise stupide. Sept jours plus tôt, le maire lui avait demandé d'accepter le poste d'administrateur de la recherche et du développement. Il avait promis une réponse pour aujourd'hui. Eh bien, il s'agitait, en plein désarroi. Pourquoi l'avoir choisi, lui Et pouvait-il refuser Son attitude paraîtrait étrange. Et il n'osait pas se singulariser. Après tout, que lui importait Kalgan À ses yeux, il n'y avait, il n'y avait toujours eu qu'un seul et unique ennemi. Tant que sa femme avait vécu, il n'était que trop heureux de se dérober à la tâche, de se cacher. Ces longues journées tranquilles sur Trentor, avec autour d'eux les ruines du passé, le silence d'un monde dévasté, dispensateur d'oubli mais elle était morte. Cette quiétude avait duré en tout et pour tout moins de cinq années. Après cela, il avait compris qu'il ne lui serait plus possible de vivre désormais qu'au prix d'une lutte de tous les instants contre cet ennemi redoutable et vague qui le privait de sa dignité d'homme en contrôlant sa destinée, qui faisait de sa vie une lutte stérile contre une échéance prévue d'avance, qui faisait de l'univers l'enjeu d'une haïssable et mortelle partie d'échecs. On pouvait appeler cela de la sublimation, c'est d'ailleurs ce qu'il pensait en son fort intérieur, mais ce combat-là donnait un sens à sa vie. Il avait commencé à l'université de Santany où il avait fait cause commune avec le docteur Klyz, cinq années bien remplies. Pourtant, Klyz n'était bon qu'à une chose rassembler des données. Passer cette étape. La tâche proprement dite était au-dessus de ses forces, Darrell l'avait bien compris. C'est alors qu'il avait décidé que le moment était venu pour lui de partir. Clyde avait beau avoir travaillé en secret, il n'avait pas pu se dispenser d'avoir autour de lui des collaborateurs œuvrant pour lui et avec lui. Il avait à sa disposition des sujets dont il sondait le cerveau. L'université le soutenait. Autant de faiblesses. Clyde n'arrivait pas à comprendre cela. Et lui, Darrell, était incapable de le lui expliquer. Ils se séparèrent ennemis. Tant mieux. Il le fallait. Il devait absolument abandonner la partie en vaincu, pour le cas où un œil indiscret aurait été le témoin de leur mésintelligence. Là où Kleys opérait sur des graphiques, Darrell travaillait au moyen de concepts mathématiques dans les arcanes de son esprit. Kleiss possédait de nombreux collaborateurs, Darrell aucun. Kleiss travaillait dans une université, Darrell dans le calme d'une maison de banlieue. Et il touchait presque au but. Un membre de la seconde fondation n'avait rien d'un être humain du strict point de vue mental. Le plus fin physiologiste, le plus subtil des neurochimistes, pouvait bien ne rien détecter. La différence était là, forcément quelque part. Et puisque la différence se situait dans le cerveau, c'était là qu'on devait pouvoir la détecter. Étant donné un homme tel que le mulet, et les membres de la seconde fondation possédaient sans aucun doute des pouvoirs comparables aux siens, qu'ils fussent innés ou acquis, avec la faculté de détecter et de domestiquer les émotions humaines, il s'agissait d'en déduire le circuit électronique convenable qui permettrait de mettre au point dans les plus infimes détails l'encéphalographe sur lequel l'anomalie ne serait manquée d'être mise en évidence. Et voilà que Kleis était en quelque sorte ressuscité en la personne de son jeune élève, le zélé Antor. Quelle absurdité que faire de tous ces graphiques, de tous ces schémas psychiques récoltés sur des personnes soupçonnées d'avoir été manipulées Il y avait des années qu'il avait appris à les identifier. En était-il plus avancé pour autant Ce n'est pas l'outil qu'il lui fallait, mais le bras. Pourtant, il devait se résigner à suivre en tort, puisque c'était la voie la moins dangereuse. Pour ces motifs, il allait donc également devenir administrateur de la recherche et du développement, la voie la moins dangereuse encore une fois. Et ainsi, il demeurait un conspirateur au sein même de la conspiration. L'espace d'un instant, il songea à Arcadia, mais il repoussa cette pensée avec un frisson. S'il n'avait tenu qu'à lui, tout cela ne serait jamais arrivé. Nul autre que lui-même n'aurait été en danger, s'il n'avait tenu qu'à lui. Il sentait la colère l'envahir. Il en voulait à tout le monde, à Clyse à Antor, à tous ces imbéciles pleins de bonnes intentions. Une petite voix se mit à chuchoter dans sa tête. Elle saurait bien se débrouiller, après tout. Elle était même plutôt en avance sur son âge. Oui. Elle saurait bien se débrouiller. En était-elle vraiment capable? Au moment précis où le docteur Darrell se posait la question avec angoisse, Arcadia se trouvait assise dans l'antichambre particulièrement austère des bureaux exécutifs du premier citoyen de la galaxie. Elle attendait depuis une demi-heure, laissant errer lentement ses regards sur les murs. Deux gardes armés étaient postés à la porte lorsqu'elle était entrée en compagnie de Omir Munn. Il n'était pas là les autres fois. Elle était seule à présent, et pourtant elle était sensible à l'hostilité latente qui semblait émaner du moindre objet, du moindre meuble, et cela pour la première fois. Elle ne s'expliquait pas la raison de ce sentiment. Omir se trouvait dans le bureau du seigneur Stettin. D'où venait son inquiétude L'irritation la gagnait. Dans les vidéos livres et dans les films, Lorsque le héros se retrouvait dans une situation pareille, il réfléchissait un peu et devinait ce qui allait se passer ensuite. Il se préparait. Alors qu'elle Elle restait assise là sans rien faire Bon sang. Mais il pouvait se passer n'importe quoi, n'importe quoi. Et elle, elle restait assise là sans bouger. Pas de panique. Il suffisait de se remémorer les événements. Peut-être qu'en faisant cela, la solution viendrait d'elle même. Pendant deux semaines, Homir avait pratiquement vécu dans le palais du mulet. Elle l'avait accompagné une fois, avec la permission de Stétine. L'édifice était immense, massif, franchement sinistre, pour tout dire. On eût dit que cette grande bâtisse se rétractait au contact de la vie pour se réfugier dans un sommeil fait de souvenirs éclatants, réverbérant à dessein les bruits de pas des visiteurs en échos caverneux ou en claquements métalliques. La visite lui avait laissé une mauvaise impression. Elle préférait de loin parcourir les grandes avenues de la métropole, pleines de gens exubérants et joyeux, se rendre au théâtre, ou contemplait tout simplement le merveilleux spectacle de la rue sur un monde qui, bien qu'infiniment moins riche que la Fondation, n'en mettait pas moins un point d'honneur à afficher cette richesse dans des proportions infiniment supérieures. Le soir venu, Omir rentrait, transfiguré. Je rêve, c'est le paradis ici pour moi, murmurait il. Si seulement je pouvais démanteler le palais pierre par pierre, arracher l'aluminium expansé couche par couche, si je pouvais rapporter tout ça sur Terminus, quel musée nous aurions. Sa réticence initiale paraissait s'être envolée. Une flamme nouvelle semblait même l'habiter, la soif de la découverte. Arcadia en avait désormais la certitude, car elle connaissait un indice infaillible. Dans ces moments là, il ne bégayait pratiquement plus. Un soir, il dit il y a des lacunes dans les archives concernant le général Pritcher. Je sais qui c'est C'était un renégat, issu de la Fondation, qui a ratissé toute la galaxie à la recherche de la seconde Fondation, c'est ça Ce n'était pas tout à fait un renégat, Arcadie. Le mulet l'avait converti. Oh. C'est pareil. Par l'espace. Ce ratissage, comme tu dis, était voué à l'échec. La Convention Seldon s'est tenue il y a maintenant 500 ans. C'est au cours de cette réunion qu'a été décidée la création des deux fondations, je te le rappelle. Les actes originaux ne mentionnent qu'une seule fois la seconde fondation. On y dit simplement qu'elle se trouve à l'autre bout de la galaxie, sur Finistel. Ce sont là tous les renseignements dont disposaient le Mulet et Pritchard. Ils ne possédaient aucun moyen d'identifier la seconde fondation, même s'ils avaient découvert sa retraite. Dans ces conditions, quelle folie que de se fourrer dans pareille entreprise! Ils possèdent des archives, il se parlait à lui-même, mais Arcadia écoutait de toutes ses oreilles, qui doivent couvrir presque un millier de mondes, et cependant, le nombre de planètes qui s'offraient à leurs investigations doit avoisiner le million, et notre situation n'est guère meilleure. Chut. Interrompit Arcadia à mi-voix, Omir se pétrifia sur place et reprit lentement ses esprits. « Plus un mot » marmonna-t-il. À présent, Omir se trouvait en présence du seigneur Stettin tandis qu'Arcadia l'attendait à l'extérieur, le cœur serré par une angoisse dont elle ne s'expliquait pas la raison. Or c'est cela justement qui l'effrayait par-dessus tout, avoir peur sans raison. De l'autre côté de la porte, Omir lui non plus n'en menait pas large. Il luttait de toutes ses forces pour se retenir de bégayer, et bien entendu, c'était tout juste s'il parvenait à articuler distinctement deux mots consécutifs. Le seigneur Stettin était en grand uniforme. Il mesurait un mètre quatre-vingt-dix, avait une mâchoire impressionnante et une moue à l'avenant. Il scandait ses phrases de ses gros points arrogants. Je vous ai donné deux semaines et vous me tenez des propos à dormir debout. Allons, dites-moi le pire, ma flotte sera-t-elle mise en charpie Devrais-je combattre les fantômes de la seconde fondation en même temps que les hommes de la première je, je vous répète, mon Seigneur, que je ne suis pas prophète, je suis complètement perdu en fait. Peut-être préférez-vous rentrer chez vous pour avertir vos concitoyens. Trêve de comédie. La vérité. Sinon, je me verrai dans l'obligation de vous l'arracher. Dussé-je vous étriper. Je vous dis la vérité. Je vous rappelle que je suis citoyen de la fondation. Ne me touchez pas, car qui sème le vent récolte la t -t tempête. Le seigneur de Calgan laissa échapper un rire homérique. Menace tout juste bonne à faire peur aux enfants. Un épouvantail que ne craindrait pas un idiot. Allons, monsieur Munn, j'ai fait preuve d'une grande patience envers vous. Pendant vingt minutes, j'ai prêté l'oreille à vos ennuyeuses fariboles dont la composition a dû vous coûter bien des nuits sans sommeil. Vains efforts. Je sais que vous n'êtes pas simplement ici pour remuer les cendres du défunt mulet. Et vous réchauffer aux braises qui pourraient encore subsister. Votre voyage avait un but différent de celui que vous avez invoqué, n'est-il pas vrai Omir eût été bien incapable de dissimuler l'horreur qu'on voyait poindre dans ses yeux. À vrai dire, il était pour l'heure incapable de respirer. Le seigneur Stettin s'en aperçut et lui administra sur l'épaule une telle claque que sous le choc il vacilla en même temps que sa chaise. Bon Parlons peu mais parlons bien. Vous êtes en train d'enquêter sur le plan Seldon. Vous savez qu'il a désormais échoué. Vous savez peut-être également qu'il n'y a plus qu'un seul vainqueur possible à présent, moi. Moi et mes héritiers. Peu nous importe l'identité de son fondateur, pourvu que le Second Empire existe. L'histoire se moque bien des individus. Avez-vous peur d'avouer Vous voyez bien que j'ai percé le secret de votre mission. Que, que voulez-vous demanda Mun la langue épaisse. Vous. J'ai besoin de vous ici. Je ne veux pas gâcher le plan par excès de confiance. Vous avez une plus grande compréhension de ces questions que moi. Vous pourriez remarquer des petits détails, des défauts qui pourraient m'échapper. Allons! Vous toucherez une juste récompense. Vous recevrez votre part du butin. Qu'espérez-vous donc sur la Fondation? Conjurer une défaite qui est peut-être inévitable? Faire traîner la guerre en longueur À moins que vous ne vouliez jouer les patriotes. C'est ça Vous voulez mourir pour votre pays Je. Je. Mun fut incapable d'en dire davantage. Les mots se refusaient à sortir de sa bouche. Vous resterez, dit le seigneur de Calgan avec confiance. Vous n'avez pas le choix. Un instant, j'oubliais. Selon des renseignements qui me sont parvenus, votre nièce appartiendrait à la famille de Beyta Darel. Oui, dit Omir en sursautant. Dans l'état où il se trouvait, il se sentait incapable de dire autre chose que la vérité. S'agit-il d'une famille influente de la Fondation Omir hocha la tête. On ne tolérerait c -c certainement pas qu'il lui soit fait le moindre mal. Du mal? Allons donc. Ne soyez pas stupide. C'est exactement le contraire que je médite. Quel âge a-t-elle? Quatorze ans. Tiens donc. Après tout, la Fondation elle-même ne serait arrêtée le cours du temps. Harry Seldon en personne serait bien incapable d'empêcher les jeunes filles de devenir femmes. Là-dessus, il tourna les talons et se dirigea vers une porte dissimulée par une draperie qu'il ouvrit violemment. Par l'espace, tonna-t-il. Pour quelle raison avez-vous traîné en ce lieu votre tremblotante corporalité Dame Galia fixa sur lui des yeux papillotants. Et dit d'une petite voix humble Je ne savais pas que vous aviez un visiteur. Maintenant vous le savez Nous en reparlerons plus tard pour l'instant, filez et vite On entendit le bruit de ses pas précipités s'évanouir dans le couloir. Ce n'est que le dernier épisode d'un intermède qui n'a que trop duré, dit-il en se retournant. Nous en verrons bientôt la fin. Quatorze ans, avez-vous dit? Omir le fixa, avec dans les yeux une horreur nouvelle. Arcadia sursauta. La porte venait de s'ouvrir sans le moindre bruit, mais son œil aux aguets avait surpris le mouvement. Le doigt pointé vers elle était agité d'un mouvement de va-et-vient frénétique, qui demeura pendant un long moment sans réponse de sa part. Puis, obéissant à l'injonction muette suggérée par cette chose blanche et tremblotante qui s'agitait dans la pénombre, elle traversa la pièce sur la pointe des pieds. Le bruit de leurs pas était imperceptible dans le couloir. Dame Kalia, car c'était elle, bien entendu, l'entraînait par la main, la lui serrant à lui faire mal. Pourtant, d'instinct, elle n'hésita pas à la suivre. Dame Calia, elle, au moins, ne lui faisait pas peur. Mais pourquoi tant de mystères Elle se trouvait maintenant dans un boudoir. Fanfreluche rose et verroterie acidulée dominaient. Dame Calia resta debout, dos à la porte. « C'est par là qu'on passe en privé pour venir chez moi depuis son bureau à lui, » dit-elle. Et, du doigt, elle fit un geste en direction du couloir, comme si la seule évocation de sa personne à lui emplissait son âme d'une mortelle terreur. Quelle chance. Non, mais quelle chance. Le noir de ses pupilles avait envahi toute la prunelle de ses yeux bleus. Pouvez vous me dire? commença timidement Arcadia. Non, mon enfant. Non. Calia manifestait une hâte fébrile. Nous n'avons pas le temps. Retire tes vêtements, je t'en prie, s'il te plaît. Je vais t'en donner d'autres et ils ne te reconnaîtront pas. Elle était déjà dans le placard, jetant d'inutiles falbalas au hasard sur le sol, cherchant, affolée, un vêtement qu'une jeune fille puisse porter sans devenir un vivant objet de concupiscence. Voilà, ça devrait faire l'affaire. Il faudra bien. Tu as de l'argent Tiens, prends tout. Et ça aussi. Elle ôtait ses bagues, ses pendentifs, et les remettait sans plus de manière à la jeune fille. Et maintenant, retourne chez toi, rentre à la Fondation. Mais. Omir. Mon oncle. C'est en vain qu'Arcadia protestait à travers les plis enchevêtrés de l'étoffe parfumée et luxueuse de métal tissé qu'on lui passait de force par dessus la tête. Il ne partira plus maintenant. C'est fini. Minou va le garder ici pour toujours. Mais toi, il faut que tu t'en ailles. Oh, ma petite chérie, tu ne comprends donc pas Non. Arcadia venait d'arrêter de force l'opération habillage. Non. Justement, je ne comprends pas. Dame Calia se tordit les mains. Tu dois rentrer pour avertir ton peuple que la guerre va éclater. C'est pourtant simple. Paradoxalement, le paroxysme de la terreur semblait avoir conféré à ses pensées et à ses paroles une lucidité absolument étrangère à son caractère. Allez, viens maintenant. Et les voilà partis par un autre chemin. Elles passèrent devant des employés du palais qui les regardèrent avec des yeux ronds, mais ne virent aucune raison d'arrêter une personne sur laquelle le seigneur de Calgan pouvait seul porter la main avec impunité. Les gardes claquaient des talons et présentaient les armes à chaque fois qu'elle franchissait une porte. Arcadia ne respira librement qu'une fois achevé ce voyage qui lui avait paru durer un siècle. Et pourtant, depuis le moment où elle avait répondu à l'appel de l'index blanc éloquemment recourbé jusqu'à l'instant où elle émergea à la grille extérieure, au milieu de la foule et de la rumeur diffuse et lointaine de la circulation, il s'était écoulé tout au plus vingt-cinq minutes. Elle se retourna avec dans les yeux une expression terrifiée où se lisait de la pitié. Je je ne sais pas pourquoi vous faites ça, madame, mais merci. Qu'est-ce qu'il va devenir, l'oncle Omir Mais je ne sais pas. gémit dame Calia. Qu'est-ce que tu fais encore ici File. Va directement au spatioport. Ne perds pas une seconde. Si ça se trouve, il est déjà à ta recherche. Pourtant, Arcadia s'attardait. Elle allait abandonner Omir. Maintenant qu'elle se sentait à l'air libre, les soupçons s'éveillaient tardivement en elle. « Mais qu'est-ce que ça peut vous faire, en fait, qu'il soit à ma recherche ?» Dame Kalia se mordit la lèvre et murmura. « Je ne peux pas expliquer ça à une petite fille comme toi. Ce ne serait pas convenable, mais tu sais, tu vas grandir et je... Quand j'ai rencontré Minou, j'avais seize ans. Tu ne peux pas rester avec nous, c'est tout. On lisait dans ses yeux une sorte d'hostilité à demi assumée. Arcadia demeura pétrifiée. Elle avait enfin compris. Elle murmura Qu'est-ce qu'il va vous faire quand il va s'en apercevoir Dame Kalia répondit d'un ton geignard Je ne sais pas. Puis elle porta la main à sa tête et repartit courant à demi le long de la grande esplanade qui menait au château du seigneur de Kalgan, mais pendant une seconde qui lui parut une éternité, Arcadia demeura parfaitement immobile au tout dernier moment juste avant le départ de dame Calia. Elle avait aperçu quelque chose dans le regard affolé que lui avait jeté la maîtresse du premier citoyen au comble de l'excitation. Arcadia avait vu passer l'espace d'un éclair. Une lueur sardonique. Quelque chose semblait amuser prodigieusement Dame Kalia. Et cet amusement avait quelque chose de parfaitement inhumain. C'était découvrir beaucoup de choses dans un éclair, mais Arcadia ne mettait nullement en doute la réalité de ce qu'elle avait aperçu. Elle courait maintenant. De toute la vitesse de ses jambes, cherchant désespérément à apercevoir une cabine publique inoccupée où la pression d'un bouton lui procurerait un moyen de transport public. Elle n'eût pas couru plus vite si le seigneur de Kalgan avait lancé à ses trousses, en un impossible alali, tel des limiers affamés, l'ensemble de ses troupes et ses vingt-sept mondes au grand complet. Pourtant, ce n'était pas Stétine qu'elle fuyait ainsi, non. Elle fuyait une faible femme. Une faible femme qui venait de l'aider à s'enfuir, une créature qu'il avait chargée d'argent et de bijoux, qui avait risqué sa vie pour la sauver. Une entité dont elle savait désormais, avec la plus absolue certitude, qu'elle était un agent appartenant à la seconde fondation. Un aérotaxi vint se poser dans son berceau avec un déclic discret. Le vent, provoqué par son déplacement, vint fouetter le visage d'Arcadia et souleva une mèche de cheveux sous le capuchon garni de fourrure légère que Calia lui avait donné. Où elle va, la petite dame Elle s'efforça désespérément de donner à sa voix un timbre assez grave pour qu'elle pût raisonnablement passer pour une adulte. Combien y a-t-il de spatioports dans cette ville Deux. On va auquel Lequel est le plus proche le chauffeur la dévisagea. Calgan central, ma petite dame. Alors on va à l'autre, s'il vous plaît. J'ai l'argent. Elle tenait à la main un billet de vin Calgani. Elle n'avait aucune notion de sa valeur, mais le chauffeur eut un sourire satisfait. C'est vous le patron, ma petite dame. Avec les Aérotaxis Horizon, c'est où vous voulez quand vous voulez. Elle se rafraîchit la joue au contact des coussins. Ils avaient une drôle d'odeur. Le chauffeur ne devait pas aérer très souvent son taxi. Elle regarda par la fenêtre. Les lumières de la ville défilaient nonchalamment sous elle. Et maintenant. Que devait-elle faire Que devait-elle faire Elle n'était qu'une petite idiote, songea-t-elle alors. Oui, une idiote. Son père était loin, très loin d'ici, et elle était terrorisée. Ses yeux étaient pleins de larmes, et au plus profond de sa gorge, elle sentit que quelque chose essayait de sortir, comme un appel au secours désespérément muet. Ça lui faisait mal. Non, elle n'avait pas peur que le seigneur Stettine l'attrape, Dame Kalia vaillerait à ce que ça n'arrive pas. Dame Calia. Grosse, vieille et bête, pourtant à sa façon, elle y tenait à son seigneur. Tout était clair à présent. Parfaitement clair. Elle repensa à cette invitation à aller prendre le thé chez Calia. Et elle, qui s'était efforcée de paraître si fine, si subtile, qu'elle est intelligente, cette petite Arcadia. Elle eut un haut le cœur, elle se dégoûtait. Cette invitation n'était qu'une manœuvre, bien entendu. Stettin lui aussi avait été manœuvré de telle sorte que Omir avait fini par recevoir contre toute attente son autorisation à visiter le palais. C'était Kalia. La bonne grosse Kalia qui avait tout décidé en s'arrangeant pour que cette brillante petite fille lui fournît un prétexte vraisemblable. Un prétexte qui n'éveillerait aucun soupçon dans l'esprit des victimes et n'exigerait d'eux qu'un minimum de participation. Dans ce cas, pourquoi était-elle libre Omir était encore prisonnier, bien sûr. À moins que. à moins qu'elle ne dût rentrer sur la fondation pour jouer un rôle de leur un leur destiné à en faire tomber d'autres entre leurs mains elle ne pouvait donc pas rentrer sur la fondation nous voilà arrivés en spatioport. » l'aérotaxi s'était arrêté étrange elle ne l'avait même pas remarqué décidément tout ici ressemblait à un rêve éveillé merci elle tendit le billet sans rien voir, descendit du taxi et s'élança sur la chaussée élastique. Des lumières, des hommes, des femmes, indifférents. De vastes panneaux d'affichage lumineux où des flèches se déplaçaient sans cesse, indiquant sans relâche l'arrivée et le départ de tous les vaisseaux. Où allait-elle porter ses pas Aucune importance. Elle savait seulement qu'elle ne retournerait pas sur la fondation le premier endroit venu lui conviendrait. Oh. Grâce soit rendue à Seldon pour ce moment d'oubli, cette ultime fraction de seconde où Calia s'était laissée détourner de son rôle parce qu'elle n'avait affaire qu'à une enfant et avait laissé percer le plaisir pervers qu'elle prenait à la situation. Puis il arriva quelque chose à Arcadia quelque chose qui n'avait cessé de s'agiter et de remuer à la base de son cerveau depuis le début de son évasion, quelque chose qui tua définitivement en elle ses quatorze ans. Elle comprit alors qu'elle devait à tout prix s'échapper. Coûte que coûte, même s'il devait finir par découvrir tous les conspirateurs de la Fondation, même s'ils arrivaient à attraper son propre père, elle ne pouvait pas prendre le risque de lancer un avertissement. Elle ne pouvait risquer sa propre vie, si peu que ce fût, pour tout le royaume de Terminus elle était la personne la plus importante de toute la galaxie elle le savait là devant la machine à billets alors encore qu'elle se demandait où aller elle le savait parce que à l'exception des autres elle était la seule et unique personne dans toute la galaxie à connaître l'emplacement de la seconde Fondation. Chapitre XV À travers la grille Trente heures. Vers le milieu de l'interrègne, Trentor n'était plus que l'ombre d'elle-même. Au sein des ruines colossales vivait une petite communauté de fermiers. Encyclopædia Galactica. Un spatioport grouillant d'activité en lisière de la capitale d'une planète surpeuplée est un spectacle unique en son genre. Rien nulle part ne saurait y être comparé. Tout d'abord, il y a ces engins gigantesques qui reposent immobiles dans leur berceau, tels des titans assoupis. Si vous choisissez judicieusement votre moment, vous pouvez même assister à un spectacle impressionnant, l'arrivée d'un de ces colosses qui se pose comme une masse et semble s'endormir aussitôt. Mais il y a plus impressionnant encore, à vrai dire, le décollage et l'accélération stupéfiante d'une énorme bulle d'acier qui disparaît aussitôt dans le ciel. Et pourtant, toutes ces opérations se déroulent dans un silence relatif. L'énergie motrice est fournie par le déchaînement insonore des nucléons qui, au sein même de la matière, se recombinent en arrangements plus compacts. L'aire d'envol et d'atterrissage que nous venons de décrire occupe 80% du port. Cela représente plusieurs kilomètres carrés qui sont réservés exclusivement aux machines, aux hommes qui s'en occupent et aux ordinateurs qui opèrent pour le compte des uns et des autres. 5% seulement sont attribués aux flots d'humanité, pour qui le port est un tremplin vers toutes les étoiles de la galaxie. Certes, bien peu dans cette masse anonyme et multicéphale ne prêtent ne serait-ce qu'une pensée distraite à la toile technologique que l'homme a peu à peu tissée à travers l'espace. Quelques-uns s'étonneront peut-être, à l'occasion, des milliers de tonnes que représentent ces engins d'acier qui paraissent si petits, si insignifiants vus de loin. L'un de ces cylindres cyclopéens pourrait, pourquoi pas, après tout, manquer le rail invisible qui le guide, et venir s'écraser à plusieurs centaines de mètres du point d'atterrissage prévu, à travers la verrière de l'immense salle d'attente, par exemple, si bien qu'une fine vapeur organique et quelques résidus de phosphate pulvérulents demeureraient ensuite comme seule trace de la mort d'un millier d'êtres humains. Éventualité hautement improbable, néanmoins, étant donné le prodigieux déploiement de dispositifs de sécurité. À vrai dire, seuls des névrosés pourraient envisager ne serait-ce qu'un instant une telle éventualité. Alors, à quoi pensent-ils tous ces gens C'est que, voyez-vous, il ne s'agit pas d'une foule ordinaire. Cette foule-là a un but, un but bien précis, tangible, omniprésent. Ces gens-là font la queue. Ils regroupent leurs enfants, ils entassent leurs bagages selon des critères bien précis. Ces gens-là vont quelque part. Considérons maintenant l'isolement psychique complet d'un individu perdu au milieu de cette foule terriblement déterminée, et qui lui ne sait pas où aller, mais qui ressent néanmoins, de manière plus intense que quiconque ici, la nécessité absolue d'aller quelque part, n'importe où, enfin, presque n'importe où. Même s'il ne dispose pas de facultés télépathiques, ni d'aucune autre méthode peut-être un peu moins subtile de communication d'esprit à esprit, l'atmosphère est suffisamment chargée d'atomes hostiles, d'humeurs incompatibles, pour susciter son désespoir. Que dis-je, le susciter Provoquer un déferlement propre à l'immerger, à l'emporter, à le noyer sous un torrent de désespoir. Arcadia Darel, vêtue de vêtements d'emprunt, errant sur une planète d'emprunt, dans une situation d'emprunt, participant pourrait-on dire d'une existence d'emprunt, recherchait désespérément la sécurité du sein maternel. Toutefois, elle l'ignorait. Elle savait seulement que cette vacuité du monde extérieur constituait pour elle un grand danger. Elle aspirait à se blottir quelque part, loin, très loin d'ici, quelque part bien au chaud, dans un recoin inexploré de l'univers où elle pourrait se dissimuler à l'abri des regards et où nul n'aurait jamais idée de venir la chercher. Or, elle se trouvait là, à quatorze ans à peine passés, lasse comme on ne l'est pas à quatre-vingts, plus effrayée qu'une enfant de cinq ans. Quel étranger parmi les centaines qui la coudoyaient, et qui la coudoyaient effectivement, pour ne pas dire bousculer, était un membre de la seconde fondation. Quel étranger parmi cette masse d'étrangers, averti de son coupable secret, ce secret qu'elle était seule à porter dans toute la galaxie, apprenant qu'elle avait découvert l'emplacement de la seconde fondation, la condamnerait instantanément à une mort foudroyante La voix qui se fraya alors un chemin jusqu'à sa conscience, Résonna comme un coup de tonnerre sous son crâne et transforma le cri de terreur qui montait à sa gorge en un gémissement inaudible. Des dents, la demoiselle disait cette voix d'un ton irrité. Vous vous en servez de la machine à billets Ou vous êtes juste venue pour la regarder C'est à ce moment-là seulement qu'elle se rendit compte qu'elle se trouvait effectivement devant un distributeur de titres de transport. Il suffisait de déposer un billet de banque d'une valeur suffisante dans la pince et elle disparaissait aussitôt avec le billet à l'intérieur de la machine. On pressait ensuite le bouton correspondant à la destination voulue et on recevait à la fois son titre de transport et la monnaie dont le montant était déterminé par une calculatrice électronique qui ne commettait jamais d'erreur. Rien de plus commun finalement, rien qui justifiait en tout cas un examen prolongé de plus de cinq minutes. Arcadia glissa dans la pince un billet de 200 crédits et aperçut soudain le bouton étiqueté Trentor. Trentor, défunte capitale du défunt empire, la planète où elle était née. Elle le pressa sans penser à rien. Rien ne se produisit. Simplement, des chiffres rouges se mirent à clignoter. 172,18. 172,18. 172,18. C'était la somme qui manquait pour faire la pointe. Nouveau billet de 200 crédits. Son titre de transport sortit à moitié de la machine. Lorsqu'elle tira dessus, il vint sans difficulté et la monnaie suivit peu après. Elle prit le tout et s'en alla en courant. Elle sentait l'homme sur ses talons, anxieux de ne pas manquer le départ. Mais elle fit un pas de côté sans regarder derrière elle. Elle courait, mais elle n'avait nulle part où aller. Où qu'elle allât désormais, elle n'avait que des ennemis. Sans vraiment s'en rendre compte, elle se mit à observer les signaux lumineux qui apparaissaient dans les airs. Stéphanie, Anacréon, Fermus. Elle vit même le nom de Terminus s'enfler au dessus de sa tête comme une baudruche immatérielle, et elle se sentit aussitôt irrésistiblement attirée. Mais elle n'osait pas. Pour une somme insignifiante, elle aurait pu faire l'acquisition d'un avertisseur, lequel, une fois réglé sur la destination choisie et introduit dans son porte-monnaie, ce serait fait entendre un quart d'heure avant le moment du départ, mais de tels appareils sont bons pour des gens qui ont l'esprit raisonnablement tranquille et suffisamment de sang-froid pour s'en occuper. C'est alors que, s'efforçant de regarder des deux côtés à la fois, elle fonça tête baissée dans un abdomen moelleux, un soupir involontaire, un grognement, puis une main s'abattit sur son bras. Elle lutta désespérément. Mais le souffle lui manqua pour émettre autre chose qu'un miaulement inaudible qui ne dépassa pas de toute manière son arrière-gorge. Son ravisseur la maintenait d'une poigne solide et ne semblait pas disposé à la lâcher de sitôt. Lentement, il apparut dans son champ visuel, et elle risqua un œil vers lui. Il était plutôt gras et court sur jambes. Il avait d'épais cheveux blancs qu'il avait coiffés en arrière avec une affectation et un maniérisme qui semblaient étrangement incongrus pour un individu qui possédait par ailleurs un visage rond et rubicon, qui clamait son origine paysanne. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il enfin avec une franche curiosité. « Tu m'as l'air terrorisé »« Excusez-moi !» murmura Arcadia fébrilement. « Il faut que je m'en aille, pardonnez-moi » Attention, petite fille! dit-il sans tenir aucun compte de ses paroles. Tu vas perdre ton billet! Et il l'extirpa d'entre ses doigts blancs sans qu'elle opposât de résistance, avant de l'examiner avec une satisfaction évidente. C'est bien ce que je pensais! dit-il. Puis il se mit à mugir tel un veau esselé perdu au milieu des prés. La mer! Arrive un peu par là! une femme apparut instantanément à son côté, plus courtaude, plus rondouillarde, plus rougeaude encore que lui. D'un doigt expert, elle repoussa une boucle rebelle de cheveux gris sous son chapeau, un chapeau parfaitement démodé. Dis donc, le père, demanda t-elle d'un ton réprobateur, pourquoi que tu cries comme ça avec tout ce monde? Les gens vont croire que tu es devenu fou. Tu te crois à la ferme? Elle lança un sourire épanoui dans la direction d'Arcadia qui demeurait sans réaction, puis elle ajouta. Il se conduit comme un ours. Dis donc, le père, lâche donc voir un peu cette petite fille, dit elle sévèrement. Qu'est-ce que tu fais Mais l'homme se contenta de lui mettre le billet sous le nez. Regarde, dit-il, elle va à Trentor. Le visage de la femme rayonna instantanément. Tu es de Trentor Lâche lui le bras, je te dis. Elle posa sur le sol la valise bourrée à éclater qu'elle tenait à la main, la coucha sur le flanc et obligea Arcadia à s'y asseoir d'une pression douce mais insistante. Assieds-toi, dit-elle, et repose donc un peu tes petits pieds. Il n'y aura pas de vaisseau avant une heure et les bancs sont tous occupés par ces flemmards-là qui roupillent dessus. Alors tu es de trente heures Arcadia poussa un profond soupir et capitula. C'est là que je suis née, dit elle d'une voix enrouée. Et la femme se mit alors à claquer joyeusement des mains. Ça fait un mois qu'on est là, et on n'a encore jamais rencontré quelqu'un du pays, dit. Ça me fait rudement plaisir. Tes parents. Elle promena alentour un regard vague. Je ne suis pas avec mes parents, dit Arcadia prudemment. Tu es toute seule? Une petite fille comme toi? La femme exprima aussitôt un mélange d'indignation et de sympathie. Comment ça se fait une chose pareille? La mère! L'homme l'attirait par la manche. Laisse-moi te dire, il y a quelque chose de bizarre. Je crois qu'elle a peur. À l'évidence, il avait l'intention et l'impression de murmurer, mais pour Arcadia, son discours était parfaitement audible. Je l'ai vu courir. Ça faisait un petit moment que je l'observais. Et elle allait comme ça sans regarder devant elle. J'ai pas eu le temps de m'écarter de sa route et elle est venue me rentrer dedans. Je vais te dire un truc, je crois qu'elle a des ennuis. Oh, tais-toi donc, le père N'importe qui peut te rentrer dedans, c'est pas difficile Mais elle alla tout de même s'asseoir à côté d'Arcadia sur la valise, laquelle j'ai mis sinistrement sous la surcharge. Et elle passa son bras autour des épaules tremblantes de la fillette. Tu te sauves? Il y a quelqu'un qui te fait peur? Faut pas avoir peur de me le dire. Je vais t'aider. Les yeux d'Arcadia croisèrent alors le regard gris, plein de bienveillance de la femme, et elle sentit ses lèvres trembler. Une partie de son cerveau lui disait que ces gens là étaient de Trentor, comme elle, qu'elle pouvait les suivre, qui lui permettrait de demeurer sur cette planète jusqu'au moment où elle aurait pris une décision sur la conduite à suivre, sur le lieu vers lequel il convenait de diriger ses pas. Mais avec infiniment plus de véhémence, une autre partie de son cerveau s'efforçait de la convaincre dans le désordre qu'elle ne se souvenait pas de sa mère, qu'elle en avait plus qu'assez de se battre contre tout l'univers à elle toute seule, que tout ce qu'elle voulait, c'était se rouler en boule, se faire toute petite, et que quelqu'un la serre très très fort dans ses bras, que si sa mère avait vécu, elle aurait pu, elle aurait pu. Et pour la première fois de la nuit, elle se mit à pleurer, à pleurer comme un bébé, sans fausse honte, se cramponnant au corsage démodé qu'elle trempait de ses larmes, tandis que des bras se refermaient tendrement autour d'elle et qu'une main douce caressait ses cheveux. Le père, au comble de l'embarras, regardait la scène en jouant futilement avec un mouchoir qui, sitôt apparu, lui fut arraché des mains. D'un regard, la mère lui enjoignit de se tenir tranquille. Autour du petit groupe, la foule affluait et refluait avec une indifférence totale qui caractérise les foules hétérogènes où qu'elles se trouvent. Ils étaient véritablement seuls. Le ruisseau de larmes finit par se tarir, et Arcadia esquissa un faible sourire tout en tamponnant ses yeux rougis avec le mouchoir d'emprunt. Zut murmura-t-elle. Chut, chut Chut Ne dis rien dit la mère avec embarras. Reste assise et repose-toi un moment, reprends ton souffle. Ensuite tu nous diras ce qui ne va pas et tu verras. On va s'en occuper, et après, tout ira bien. Arcadia rassembla ce qui pouvait rester de ses esprits. Elle ne pouvait pas avouer la vérité à qui que ce soit, et pourtant, elle était trop épuisée pour inventer un mensonge plausible. Je me sens mieux maintenant, dit-elle à mi-voix. Bien, dit la mère. Maintenant, Dis-moi ce qui ne va pas. Tu n'as rien fait de mal au moins. Bon. On va t'aider de toute façon. Mais dis-nous la vérité. Un pays, c'est sacré. ajouta le père dans un accès d'enthousiasme. Hein, la mère. Oh. Tais-toi donc, le père. répondit-elle sans méchanceté. Arcadia fouillait dans son sac à main. Au moins quelque chose qu'elle était parvenue à conserver en dépit du rapide changement de vêtements qui lui avait été imposé dans les appartements de Dame Kalia. Elle trouva ce qu'elle cherchait et le tendit à la mère. Voilà mes papiers, dit-elle timidement. Le document était imprimé sur une sorte de parchemin synthétique brillant et lui avait été remis par l'ambassadeur de la fondation le jour de son arrivée, après avoir été contresigné par le fonctionnaire calganien approprié surchargé de décoration, surdimensionné, il avait indéniablement quelque chose d'impressionnant. La mère y jeta un regard perplexe et le repassa au père qui en absorba le contenu avec une moue significative. Tu fais partie de la Fondation? Oui. Mais je suis né sur Trentor. Regardez. Là, c'est marqué que. Oh, ça m'a l'air d'être en règle. C'est Arcadia ton nom alors C'est un nom bien de chez nous, ça. Mais où il est, ton oncle Là, c'est marqué que tu es venu accompagné de Omir Mun, oncle. Il a été arrêté, répondit Arcadia, la mort dans l'âme. Arrêté s'écrièrent alors le père et la mère, avec un bel ensemble. Arrêtez pourquoi demanda la mère. Il a fait quelque chose Arcadia secoua la tête. Je ne sais pas. On était juste venu en visite. Oncle Omir avait une affaire à traiter avec le seigneur Stétine, mais... Elle n'eut aucun mal à simuler un frisson. En fait, elle en eut un pour de bon. Le père était impressionné. Avec le seigneur stettin Dis donc, ton oncle, ça doit être quelqu'un d'important. Je n'ai pas trop compris l'histoire, mais en fait, au départ, le seigneur Stettine voulait que ce soit moi qui reste. Elle se remémorait les derniers mots de la petite comédie que Dame Calia avait jouée à son intention. Puisque Calia était experte en la matière, l'histoire pouvait servir une seconde fois. Elle se tut, et la mère, visiblement intriguée, demanda. Et pourquoi toi Je ne sais pas trop, en fait. Il voulait que je vienne dîner avec lui le soir, moi toute seule, un truc comme ça, mais moi j'ai pas voulu. J'ai dit que je voulais que l'oncle Omire il vienne aussi. Le seigneur Stétine, il me regardait avec un drôle d'air, et il n'arrêtait pas de me tenir l'épaule. Le père resta quoi, la bouche à peine entrouverte, mais la mère devint soudain toute rouge. Furieuse, elle demanda, Dis-moi, quel âge as-tu, Arcadia? Quatorze ans et demi, presque. La mère eut une brusque aspiration. Je ne comprends pas qu'on laisse vivre des gens pareils. Les chiens de rue valent mieux qu'eux. C'est de lui que tu as peur, hein? C'est pour ça que tu t'es enfuie. Arcadia hocha la tête. La mère dit alors, Le père! Va donc voir au renseignement, et tâche de savoir à quelle heure le vaisseau pour trente heures arrive à quai. L'heure précise, dépêche-toi Mais à peine le père eut-il fait un pas qu'il s'arrêta, stoppé dans son élan par une voix formidable aux accents métalliques qui s'était mise à retentir au-dessus de leur tête. Aussitôt, cinq mille pères dieux se tournèrent, intrigués, en direction de la voûte du spatioport. Avec une brutalité sans nuance, la voix disait. Hommes, femmes, l'enceinte du spatioport fait actuellement l'objet de recherches systématiques dans le but de retrouver et d'appréhender un dangereux fugitif. Les bâtiments sont cernés. Nul ne peut ni entrer ni sortir. Cependant, les opérations sont menées avec une extrême diligence. Aucun départ ni aucune arrivée n'auront lieu durant cet intervalle. Nul ne doit craindre de manquer son vaisseau. Je répète, nul ne manquera son vaisseau. La grille va descendre. Nul ne devra quitter son carré avant que la grille soit remontée. Dans le cas contraire, nous n'hésiterons pas à faire usage de nos fouets neuroniques. Pendant la minute où la voix retentit sous le vaste dôme de la salle d'attente du spatioport, Arcadia aurait été bien incapable de bouger quand bien même toutes les forces maléfiques de la galaxie se seraient concentrées en une boule de haine et de destruction et se seraient ruées dans sa direction. Il ne pouvait s'agir que d'elle, songea Arcadia. C'était même tellement évident qu'il semblait superflu de s'être donné la peine de formuler cette idée sous forme de pensée cohérente. Mais pourquoi Calia avait manigancé son évasion. Et Kalia appartenait à la Seconde Fondation. Alors pourquoi cette fouille à présent Calia aurait-elle échoué Pouvait-elle échouer Ou bien cette nouvelle manœuvre faisait-elle partie d'un plan dont les subtilités lui échappaient. L'espace d'un instant, comme prise de vertige, elle fut tentée de bondir et de crier qu'elle capitulait, qu'elle les suivait, que. que C'est alors qu'elle sentit la main de la mère se poser sur son poignet. Vite Vite, allons aux toilettes pour dames avant qu'il commence! Sans comprendre, Arcadia se contenta de la suivre aveuglément. Elles se faufilèrent à travers la foule, toujours rassemblée par petits groupes, tandis que la voix tonitruante prononçait ses ultimes paroles. La grille avait commencé sa descente et le père Bouchebé la suivait des yeux. Il en avait entendu parler, il en avait lu des descriptions, mais il ne l'avait encore jamais vue fonctionner à ses dépens. La grille consistait tout simplement en un réseau compact de radiation linéaire qui quadrillait l'atmosphère de rayons lumineux parfaitement inoffensifs. Cette grille était toujours disposée de façon à pouvoir descendre lentement, à la demande, sur les passagers, lesquels avaient ainsi l'impression de voir tomber sur eux une sorte de filet gigantesque, avec toutes les implications psychologiques que pouvait comporter cette sensation de se retrouver prise au piège. La grille était déjà descendue à hauteur de la taille. Chaque maille de ce filet immatériel représentait un carré de trois mètres de côté. Le père se retrouva seul dans son carré, cependant que les mailles voisines étaient pleines de monde. Il se sentit ainsi spectaculairement isolé, mais il savait qu'en franchissant l'une de ces lignes étincelantes pour se fondre dans l'anonymat du groupe, il n'aurait pas manqué de déclencher l'alarme et l'intervention du fouet neuronique. Il attendit donc il distinguait, par-dessus les têtes bizarrement immobiles, le mouvement lointain d'une rangée de policiers couvrant toute la largeur de la salle et inspectant carré lumineux par carré lumineux. Un long moment s'écoula avant qu'un uniforme ne pénètre dans son carré. Le policier nota soigneusement ses coordonnées dans un carnet prévu à cet effet Vos papiers. Le père obéit, et ses documents furent aussitôt feuilletés d'un doigt expert. Prime Palver, natif de Trentor, séjournant sur Kalgan pour une durée d'un mois en partance pour Trentor. Répondez par oui ou par non. Oui Oui. Quelles sont les raisons de votre présence sur Kalgan Je suis le représentant commercial de notre coopérative agricole. Je suis venu négocier des accords avec le ministère de l'Agriculture de Kalgan. Uh -huh. Votre femme vous accompagne Où est-elle Son nom figure sur vos papiers. Excusez-moi, ma femme se trouve au. Il fit un geste. Anto cria le policier. Un second uniforme le rejoignit. Par la galaxie, encore une qui est allée aux toilettes, dit sèchement le premier. On se demande comment il y a encore de la place dedans. Inscrivez son nom. Il lui indiqua l'orthographe du nom dans les papiers. Quelqu'un d'autre vous accompagne Ma nièce Son nom ne figure pas dans les documents. Elle est venue séparément. Où est-elle Peu importe, je le sais. Inscrivez également le nom de la nièce Anto. Quel est son prénom Arcadia. Inscrivez Arcadia Palver. Palver, vous ne bougez pas d'ici. Nous nous occuperons des femmes avant de partir. Le père attendit. Une éternité sembla s'écouler. Longtemps, longtemps après, il vit la mère s'avancer dans sa direction d'un pas martial en tenant Arcadia par la main, les policiers sur ses talons. Ils pénétrèrent dans le carré occupé par le père. C'est celle-là, votre femme Elle en fait du bruit à elle toute seule, la vieille. Oh. Oui, monsieur, répondit Prime d'un ton conciliant. Alors prévenez-la qu'elle pourrait s'attirer de gros ennuis si elle persiste à parler de cette façon à la police du premier citoyen. Il redressa les épaules avec arrogance. C'est votre nièce Oui, monsieur. Je veux voir ses papiers. Regardant son mari droit dans les yeux, la mère secoua alors négativement la tête, discrètement mais fermement. Un court silence. Puis le père répondit avec un faible sourire Je crois que ça va pas être possible. Comment ça, ça va pas être possible Le policier tendit une main calleuse Donnez-moi ces papiers. Immunité diplomatique, répondit le père d'une voix douce. Comment ça Je vous ai dit que j'étais le représentant de ma coopérative agricole. Je suis accrédité auprès du gouvernement de Kalgan en qualité de représentant étranger, et mes papiers sont là pour le prouver. Je vous les ai montrés, et maintenant, je ne veux plus qu'on m'ennuie davantage. Un instant, le policier demeura pris de court. Il faut que je voie vos papiers, ce sont les ordres. Foutez-moi le camp, interrompit soudain la mère. Quand on aura besoin de vos services, on vous fera signe, espèce de, de, de bon à rien. Le policier eut une moue pincée. Surtout ne les quittez pas des yeux, Anto. Je vais chercher le lieutenant. Je vous souhaite pas bonne chance, ça porte malheur, lui lança la mère. Quelqu'un éclata d'un rire vite étouffé. La fouille tirait à sa fin. La foule devenait dangereusement nerveuse quarante-cinq minutes s'étaient écoulées depuis la descente de la grille, un délai bien trop long pour un résultat optimal. C'est pourquoi le lieutenant Dirig s'efforçait de gagner en toute hâte l'endroit où la foule était la plus dense. C'est elle? interrogea t-il d'une voix lasse en désignant Arcadia. Il l'examina et trouva qu'elle correspondait au signalement. Tout ça pour une gamine. Ces papiers, je vous prie, dit-il. J'ai déjà expliqué Commença le père. Je sais, dit le lieutenant, mais je regrette, j'ai des ordres et je n'y peux rien. Plus tard, vous pourrez formuler une protestation si vous le désirez. En attendant, je dois faire usage de la force si c'est nécessaire. Il y eut un silence et le lieutenant attendit patiemment. Alors le père dit d'une voix rauque Donne-moi tes papiers, Arcadia. Prise de panique, l'enfant secoua la tête, mais le père insista. N'aie pas peur, donne-les-moi. En désespoir de cause, elle obéit et les documents changèrent de main. Le père les feuilleta, les examina soigneusement et les tendit à l'officier. Le lieutenant les scruta à son tour avec le plus grand soin. Pendant un long moment, puis, il leva les yeux sur Arcadia et ferma le livret d'un coup sec. Tout est en règle, dit-il. En route Il s'en fut, et deux minutes plus tard, la grille avait disparu, pendant que la voix du haut-parleur annonçait le retour à la normale. Le brouhaha de la foule, soudain libéré, reprit avec une vigueur nouvelle. Mais. Comment dit Arcadia. Chut dit le père, ne dis rien, pas un mot. On ferait mieux d'aller au vaisseau. Si ça se trouve, il est déjà à quai. Il se trouvait à bord de l'appareil. Il disposait d'une cabine privée et d'une table particulière dans la salle à manger. Deux années-lumière les séparaient déjà de Kalgan, et Arcadia osa enfin aborder de nouveau le sujet. Et enfin, c'est moi qu'ils poursuivais, monsieur Palver, dit-elle. Je suis sûre qu'ils avaient mon signalement détaillé. Pourquoi est-ce qu'ils m'ont laissé partir quand même Le père eut un large sourire par-dessus son rose -bief. Tu sais C'est pas compliqué, Arcadia. À force d'avoir affaire à des agents, des acheteurs, et des coopératives concurrentes ont fini par apprendre deux ou trois petits trucs, et en vingt ans de métier, j'ai eu tout le temps pour ça, crois-moi. En fait, quand le lieutenant a ouvert tes papiers, il a trouvé à l'intérieur un billet de cinq cents crédits plié en tout petit. C'est tout simple, non Je vous rembourserai. Je vous jure, j'ai plein de sous. Bah! Le large visage du père se fendit d'un sourire embarrassé. C'est pas comme si t'étais pas de chez nous. Mais, et s'il avait pris l'argent et m'avait quand même arrêté en m'accusant de tentative de corruption? insista Arcadia. Et renoncer au billet de cinq cents? Tu sais, ces gens-là, je les connais mieux que toi. Mais Arcadia savait parfaitement qu'il ne connaissait pas ces gens-là mieux qu'elle. À cela. Dans son lit, cette nuit-là, elle y réfléchit encore et encore, et elle arriva à la conclusion qu'aucun pot de vin n'aurait pu empêcher le lieutenant de l'arrêter si la chose n'avait pas été convenue d'avance. Il n'avait pas du tout l'intention de l'arrêter, en fait, même s'ils avaient tout fait pour le faire croire. Alors pourquoi ce déploiement de force Pour s'assurer qu'elle était bien partie et en direction de Trentor, Les deux âmes simples au cœur tendre qui l'accompagnaient n'étaient-elles, comme elles, que des instruments sans défense entre les mains de la seconde fondation Probablement. À moins que. Oh Et puis, à quoi bon lutter Quoi qu'elle fasse, elle ne pourrait se dispenser d'exécuter les volontés de ces êtres terribles et omnipotent. Pourtant, elle devait les vaincre, et les vaincre à leur propre jeu. Oui, c'est par la ruse qu'elle y arriverait. Il le fallait. Il le fallait. Absolument. Chapitre 16. Entrée en guerre Pour un certain nombre de raisons qui étaient alors inconnues des membres de la galaxie, le temps intergalactique standard a pour unité fondamentale la seconde, c'est-à-dire l'intervalle de temps nécessaire à la lumière pour parcourir 299 776 km. Quant à la journée intergalactique standard,

La tradition, répondait l'historien, éludant la question. À cause de certaines relations numériques variées et mystérieuses, prétendaient de leur côté les mystiques, les illuminés, les numérologistes ou les métaphysiciens. Par suite d'une coutume remontant à l'époque où l'humanité n'avait pas encore quitté la planète qui lui avait servi de berceau, laquelle possédait certaines constantes de rotation et de révolution sur lesquelles étaient basées ces relations numériques, Disait le plus petit nombre. En fait, personne ne le savait vraiment. Néanmoins, nul n'ignore à quelle date le Ober Malo, croiseur de la Fondation, fut intercepté par le Sans Peur et par l'escadre calganienne qui l'accompagnait. Le jour où le Ober après que son commandant refusa de laisser monter à son bord une équipe d'inspection, fut instantanément réduit à l'état de ruine fumante, apparaît dans les livres d'histoire comme suit. 185, 11692 EG. Autrement dit, le 185e jour de la 11692e année de l'ère galactique, laquelle avait débuté avec l'accession au trône du premier empereur de la dynastie des Cumble, ou bien 185 419 AS, en partant de la naissance de Seldon, ou encore 185 377 EF, en prenant pour point de départ l'établissement de la Fondation. Sur Calgan, c'était 185 56 PC, avec pour point de départ l'établissement de la dignité de premier citoyen par le mulet. Dans chacun de ces cas, on avait pris soin, pour des raisons de commodité, de donner à l'année la même numérotation annuelle sans se soucier du jour où l'ère considérée avait effectivement débuté. De plus, les millions de mondes composant la galaxie possédaient leur temps local individuel basé sur les mouvements de leurs voisins célestes particuliers. Mais quel que fût l'ère choisie, onze six quatre c'est à ce cent quatre vingt-cinquième jour. Que les historiens firent désormais allusion lorsqu'ils parlèrent du début de la guerre de Stettin. Mais le docteur Darrell voyait les choses tout autrement. Pour lui, ce jour-là n'était que le 32e jour après le départ d'Arcadia de la planète Terminus. Ce qu'il en coûtait à Darrell de maintenir son impassibilité de surface au cours de ces journées, nul ne pouvait le deviner. Mais Helvet Semik se sentait capable de l'imaginer. C'était un vieil homme, et il aimait répéter que sa cuirasse neuronique était à ce point calcifiée que le processus de sa pensée souffrait d'une raideur d'articulation hautement préjudiciable à son agilité. Il encourageait la tendance générale à surestimer sa décrépitude intellectuelle en prenant le parti d'en rire le premier. Mais, pour être voilé par l'âge, ses yeux n'en étaient pas moins perçants, et s'il avait perdu quelque peu de son agilité, son esprit n'en restait pas moins sage et expérimenté. Il se contenta de grimacer de ses lèvres pincées et dit Il faut faire quelque chose, qu'est-ce que vous attendez Le son de sa voix heurta douloureusement l'oreille de Darrel et lui causa une crispation. Où en étions-nous demanda-t-il d'un ton bourru. Sémic le considéra avec un air grave. La gamine, vous devriez faire quelque chose. Qu'est-ce que vous attendez? En disant cela, il avait entrouvert la bouche dévoilant quelques rares dents jaunâtres. La question qui se pose est la suivante. Se contenta de répondre Darrell. Pouvez-vous vous procurer un résonateur Sims-Molf de la portée requise? « Je vous ai déjà dit oui. Mais vous n'écoutiez pas. Désolé, Helvète. Je n'y peux rien. »« Ce que nous sommes en train de faire risque d'avoir des conséquences bien plus importantes pour les habitants de notre galaxie que la question de savoir si Arcadia est saine et sauve. C'est-à-dire, à, à l'exception d'Arcadia et de moi-même, bien entendu. Mais je suis disposé à me soumettre à la majorité. » Il serait gros comment ce résonateur Sémic eut l'air pris d'un doute. Je ne sais pas. C'est certainement indiqué dans la documentation technique. À peu près. Une tonne, un kilo, la longueur d'un pâté de maison. Ah oh, Je pensais que vous vouliez un renseignement précis. C'est tout petit en fait. Il indiqua la première phalange de son pouce. C'est long comme ça, environ. Vous pourriez me fabriquer un appareil de ce genre Darel jeta de rapides coups de crayon sur un bloc qu'il tenait sur ses genoux. Puis il le remit au vieux physicien. L'autre y jeta un coup d'œil réticent puis gloussa. Vous savez, quand on arrive à l'âge que j'ai, le cerveau se calcifie bigrement. Qu'est ce que vous essayez de faire, au juste? Darel hésitait. Il regrettait avec désespoir de ne pas posséder les connaissances physiques que renfermait jalousement le cerveau de son interlocuteur, ce qui lui aurait évité de traduire ses idées en mots. Mais les regrets étant inutiles, il passa aux explications. Sémic secouait la tête. Il vous faudrait des hyper relais, les seuls appareils qui puissent travailler assez vite. Et il vous en faudrait un sacré paquet, c'est moi qui vous le dis. Mais c'est faisable Oh oui, bien sûr. Vous pourriez vous procurer toutes les pièces Je veux dire, sans attirer l'attention, dans le cadre de votre travail habituel. Sémic souleva sa lèvre supérieure. Cinquante hyper-relais, impossible. C'est plus que je n'en pourrais utiliser pendant toute mon existence. Nous travaillons pour la défense maintenant. Il n'y aurait pas... Je ne sais pas... Un dispositif anodin qui puisse justifier de leur emploi. Ce n'est pas l'argent qui nous manque. Euh, Laissez-moi réfléchir. Ce n'est pas impossible après tout. Et on pourrait arriver à le miniaturiser. Jusqu'où est-ce qu'on pourrait aller On peut toujours miniaturiser les hyper-relais. Reste le câblage, les composants. Par l'espace, ça représente au moins quelques centaines de circuits, je sais. Alors ce serait gros comment À peu près gros comme ça, dit Sémic en s'accompagnant du geste. Trop gros, dit Darrel. Je dois pouvoir l'accrocher à ma ceinture. Lentement, il froissa son croquis et en fit une toute petite boulette. Lorsque la petite bille de papier jaune eut atteint la taille d'un grain de raisin, il la lança dans le cendrier où ses molécules se dispersèrent dans un minuscule éclair blanc. Il y a quelqu'un à la porte. Qui est-ce s'enquit-il. Sémic se pencha et consulta l'écran laiteux intégré à son bureau. C'est le jeune Antor. Et il y a quelqu'un avec lui, tiens. Darrell fit reculer son siège. Les pieds raclèrent le sol bruyamment. Pas un mot de tout ceci aux autres, Sémic. En tout cas, pour le moment. S'ils venaient à être dans le secret, leur vie serait en danger. Deux. Ça suffit pour le moment. Péléas, en tort, n'avait de cesse de s'agiter dans le bureau de Sémic, dont le mobilier semblait d'ailleurs participer de l'âge canonique de son occupant. Dans l'atmosphère stagnante de la paisible pièce, les larges manches estivales de la tunique d'antor semblaient vibrer au rythme de la brise extérieure. Docteur Darrell, docteur Semik, je vous présente Horum Dirig, dit-il. Le nouveau venu était grand. Un long nez droit donnait à son visage une apparence taciturne. Le docteur Darrell tendit la main. Antor précisa avec un léger sourire lieutenant de police dirig puis il ajouta en insistant de la police de kalgan et darrell se retourna pour planter ses yeux avec force dans ceux du jeune homme lieutenant dirig de la police de kalgan répéta-t-il en détachant soigneusement les mots et vous nous l'amenez ici pourquoi faites-vous cela parce que c'est la dernière personne sur Kalgan à avoir vu votre fille. Hé là, attendez La lueur de triomphe qui brillait dans les yeux d'Antor se changea aussitôt en vive inquiétude. Il venait de s'interposer entre les deux hommes et s'efforçait déjà de repousser Darrel. Lentement, mais sans douceur, il contraignit le docteur à s'asseoir sur sa chaise. Qu'est-ce qui vous prend Antor repoussa une mèche de cheveux bruns qui lui tombait sur le front. Il s'assied alors sur un coin du bureau et se mit à balancer la jambe, l'air soucieux. Je croyais vous apporter une bonne nouvelle, dit-il. Darrel s'adressa directement au policier. Ça veut dire quoi, ça? Le dernier à l'avoir vue. Elle est morte. Répondez-moi sans détour. Il avait le visage livide d'appréhension. Le dernier à l'avoir vu, cela dit bien ce que ça veut dire, répondit le lieutenant Dirig d'une voix monocorde. Elle a quitté Calgan à présent. Je n'en sais pas plus. Permettez-moi de remettre les choses au point, interrompit Antor. Excusez-moi, Doc, si j'ai un peu dramatisé les présentations, vous aviez l'air de prendre tout ça avec un tel détachement que, ma foi, j'ai oublié que vous étiez doué de sensibilité. Et. Tout d'abord, le lieutenant d'Irig est des nôtres. Il est né sur Kalgan. Mais son père appartenait à la Fondation et c'est au service du mulet qu'il a émigré sur Kalgan. Je réponds de la loyauté du lieutenant envers la Fondation. Je me trouvais en contact avec lui le lendemain du jour où nous avons cessé de recevoir le rapport quotidien de Munn. Pourquoi interrompit furieusement Darrell. Nous avions convenu, il me semble, de ne pas prendre d'initiative en cette matière. Vous risquiez leur vie et les nôtres en faisant cela. Parce que, riposta l'autre avec non moins de vigueur, je suis là-dedans depuis plus longtemps que vous, si vous voulez tout savoir. Parce que je suis au courant de certaines intrigues sur Kalgan, dont vous ignorez le premier mot. Parce que j'ai une connaissance plus approfondie du problème, vous saisissez. Je, je comprends surtout que vous êtes complètement fou. Mais écoutez-moi, au moins. Un silence et Darrell baissa les yeux. Les lèvres d'Antor esquissèrent un demi-sourire. Parfait, Doc. Je vous demande juste quelques minutes. Allez-y, dites-lui, Dirig. Sans se faire prier, le lieutenant expliqua. Pour autant que je sache, docteur Darrell, votre fille se trouve sur Trentor. Du moins avait-elle un billet pour Trentor au Spatioport Est? Elle accompagnait un représentant de commerce qui a prétendu être son oncle. Elle a de la famille un peu partout, votre fille, on dirait. C'est le deuxième oncle qui lui tombe du ciel en moins de deux semaines. Le Trentorien a même tenté de me corrompre. Il s'imagine probablement s'en être tiré pour cette raison. Cette pensée amena sur ses lèvres un sourire sardonique. Comment allait-elle Bien, pour autant que j'ai pu m'en rendre compte. Mais elle avait peur, c'était visible. Rien d'étonnant, d'ailleurs, avec toute la police à ses trousses. J'ignore toujours pourquoi, par contre. Darrell respira. Apparemment, pour la première fois depuis plusieurs minutes. Il était conscient du tremblement de ses mains qu'il s'efforçait de contenir. Alors. Elle est indemne. Qui était-ce, ce commercial Il faut le retrouver. Quel est son rôle dans cette histoire Je l'ignore. Connaissez-vous un peu Trentor J'y ai vécu autrefois. C'est un monde agricole à présent. Trentor exporte du fourrage et du grain en majeure partie. Excellente qualité. Il commerce avec toute la galaxie. Il existe une ou deux douzaines de fermes coopératives en tout sur la planète et chacune d'elles possède un représentant outre-monde. De sacrés gaillards, cela, soit dit en passant. Je connais les états de service de celui qui nous intéresse. Il est déjà venu sur Calgan, généralement en compagnie de sa femme, parfaitement honnête, parfaitement inoffensif. « Hum, » dit Antor, « Arcadia est née sur Trentor, n'est-ce pas, docteur ?» Darrel hocha la tête. « Ça se tient, vous voyez ?» Elle cherchait à s'enfuir le plus vite et le plus loin possible. Trentor s'est tout naturellement présenté à son esprit. Qu'en pensez-vous Pourquoi n'est-elle pas revenue ici demanda le docteur. Se sentant poursuivie, elle a peut-être préféré une autre direction. Le docteur Darrel n'avait pas le cœur de continuer à poser des questions. Qu'elle reste donc en sécurité sur Trentor Si toutefois le mot de sécurité avait encore un sens. La galaxie lui semblait désormais un abîme de noirceur sans fond. Il se dirigea à tâtons vers la porte, sentit sur sa manche les doigts d'Antor, et fit halte sans se retourner. Vous permettez que je vous accompagne chez vous, docteur Avec plaisir, répondit-il machinalement. Dans la soirée, la personnalité superficielle du docteur Darrell celle qu'il destinait à entrer en contact immédiat avec autrui, s'était de nouveau reconstituée, solidifiée. Refusant de toucher à son dîner, il était retourné à ses travaux et avait repris avec toujours plus de fébrilité sa lente progression dans le complexe dédale mathématique de l'analyse encéphalographique. Il ne revint pas à la salle de séjour avant minuit. Peléa Centaur s'y trouvait toujours. Il jouait avec la télécommande de la vidéo. Le bruit de pas lui fit jeter un coup d'œil par-dessus son épaule. Tiens, pas encore couché. J'ai passé des heures devant cet écran pour tenter d'obtenir autre chose que des bulletins. Il semble que le Aubert Malo, un vaisseau de la fondation, soit en retard sur son horaire. Il ne donne plus signe de vie. Vraiment Et qu'en déduit-on D'après vous Encore un coup des Calganiens on signale que des vaisseaux calganiens ont été aperçus dans les parages où le Aubert Malo a lancé ses derniers messages. Darrell haussa les épaules et Antor se frotta le front pensivement. Écoutez, Doc, dit-il, pourquoi est-ce que vous n'allez pas sur Trantor Pourquoi faire Parce que vous ne nous servez à rien en restant ici. Vous n'êtes pas vous-même. Normal d'ailleurs. En plus, en allant sur Trentor, vous vous rendriez utile. À l'ancienne bibliothèque impériale, il y a l'intégralité des actes de la commission Seldon. Non, la bibliothèque a déjà été fouillée de fond en comble, et ça n'a jamais servi à rien. Pas tout à fait. Ebling Miss n'avait pas l'air de cet avis. Qu'est-ce que vous en savez Oui, c'est vrai. Il a dit qu'il avait découvert l'emplacement de la seconde fondation, et ma mère l'a tué cinq secondes plus tard pour l'empêcher de révéler involontairement le secret au mulet. Mais en faisant cela, voyez-vous, elle a empêché quiconque de savoir si Miss avait effectivement découvert cet emplacement. Après tout, personne n'a jamais été capable de déduire la vérité en partant de l'étude de ses archives. Si vous vous en souvenez, Ebling Miss, Agissait sous l'emprise des pouvoirs psychiques du mulet. Je sais également cela. Mais l'intellect de Miss se trouvait de ce fait même dans un état anormal. Que savons-nous, vous et moi, des propriétés d'un esprit qui fonctionne sous l'emprise émotionnelle d'un tiers, de ses capacités et de ses lacunes Quoi qu'il en soit, je n'irai pas sur si Trentor. Antor fronça les sourcils. Pas la peine de me parler comme ça, Doc. C'était juste une suggestion. Par l'espace, je ne vous comprends pas. Regardez-vous, vous avez vieilli de dix ans. À quoi ça vous sert de rester ici à vous ronger les sangs comme ça À rien. Si j'étais vous, je partirais à la recherche de la gamine. Et qu'est-ce que vous croyez Moi aussi, c'est ce que je veux faire. C'est justement pour ça que je n'irai pas. Écoutez-moi, Antor, tâchez de comprendre. Vous jouez, nous jouons tous les deux, les apprentis sorciers, en nous attaquant à des forces auxquelles nous sommes totalement incapables de résister. En examinant les choses de sang froid, si toutefois vous en êtes capable, vous devez bien vous en rendre compte, quoi que vous ayez pu penser lors de votre accès de ton quichotisme. Depuis cinquante ans, nous savons que la seconde fondation est la véritable héritière naturelle des mathématiques seldoniennes, qu'elle a par ailleurs contribué à perfectionner. Ce qui signifie, et vous le savez également, que rien ne se passe dans la galaxie qui ne soit prévu dans leurs calculs. À notre point de vue, l'existence n'est jamais qu'une succession d'accidents auxquels nous parons au jour le jour par des solutions improvisées. À leurs yeux, L'existence a un but. Il s'agit de s'y préparer par des calculs précis. Mais leur doctrine a ses faiblesses. Ils travaillent sur une échelle statistique, et les actions de l'humanité ne leur sont prévisibles que lorsque des masses considérables d'individus sont en jeu. Quel est le rôle que je joue en tant qu'individu dans le déroulement prévu de l'histoire Je l'ignore. Aucun sans doute, puisque le plan laisse aux individus leur libre arbitre et n'influent rien sur leurs réactions personnelles. Mais je constitue un facteur important. Et il se peut qu'ils aient calculé mes réactions probables. C'est pourquoi je me défie de mes impulsions, de mes désirs et de mes réactions probables. Je préfère les confronter à une réaction improbable. Je resterai donc sur place, bien que je meure d'envie de partir, non parce que je meurs d'envie de partir. Le jeune homme regarda son aîné et eut un sourire aigre doux. Ces gens-là connaissent votre propre cerveau bien mieux que vous. supposez que vous connaissant. Ils en déduisent que vous allez justement finir par avoir une réaction improbable, simplement parce qu'ils auront eu par avance connaissance de votre façon de penser. Dans ce cas, il ne reste aucune issue. Admettons que je me conforme au raisonnement que vous venez de formuler et que je décide d'aller sur Trentor. Il se peut qu'ils aient également prévu cette éventualité, mais voilà enfermé dans un cercle vicieux de contre-contre-contre-proposition. Si loin que je me laisse entraîner dans cette voie, je me retrouve toujours devant les deux termes d'une alternative. Je n'ai d'autre ressource que de partir ou de rester. Cette manœuvre biscornue qui consiste à attirer ma fille à mi-chemin de la galaxie n'est certainement pas destinée à me faire rester où je suis, puisque je n'aurais pas bougé s'ils s'étaient abstenus de toute action. Par conséquent, ils ont voulu me faire partir. C'est pourquoi je reste. Qui plus est, Antor, il ne faut pas voir partout l'intervention de la seconde fondation. Tout ce qui se passe n'est pas forcément le fruit de leur ingérence. Nous ne sommes pas des marionnettes, pas à ce point-là en tout cas. Ils n'ont peut-être rien à voir avec l'évasion d'Arcadia. Peut-être va-t-elle trouver la sécurité sur Trantor, alors que nous, nous serons tous morts. Non coupa sèchement en tort là vous vous égarez, vous avez une autre explication à me proposer parfaitement si vous voulez bien m'écouter, eh bien ne vous gênez pas, ce n'est pas la patience qui me manque bien dans ce cas, votre fille est-ce que vous la connaissez vraiment bien dans la mesure où un individu peut en connaître un autre c'est-à-dire très superficiellement. Pareil pour moi dans ce cas, pis peut-être. Mais moi au moins, je l'ai examinée avec des yeux neufs. Primo cette gamine-là est dotée d'un tempérament furieusement romanesque. C'est la fille unique d'un intellectuel qui vit retiré dans sa tour d'ivoire. Elle a grandi dans un monde irréel de vidéolivres et de romans-feuilletons. Elle s'est construit un petit univers bien à elle plein d'espions et de conspirateurs. C'est un monde qui lui est devenu familier. C'est son domaine. Segundo, du coup, elle s'y connaît. Plus que nous, en tout cas. Elle s'est arrangée pour assister incognito à notre conférence, et ça a marché. Elle s'est arrangée pour partir sur Calgan avec Mun, et ça a marché. Tertio, son héroïne, son modèle absolu, c'est sa grand-mère, votre mère, celle qui a vaincu le mulet. Jusque-là, j'ai raison, non Parfait. Je continue. Maintenant, contrairement à vous, j'ai reçu un rapport complet du lieutenant Dirig. En plus, je possède une vue d'ensemble des événements actuels sur Kalgan, et mes renseignements se recoupent. Par exemple, nous savons maintenant que Omir Mun a été reçu en audience par le seigneur de Kalgan. Qu'il s'est vu refuser l'autorisation de pénétrer dans le palais du mulet, mais que ce refus a été annulé à la suite d'un entretien d'Arcadia avec Dame Kalia, une amie très intime du premier citoyen. Comment est-ce que vous savez tout cela Coupa Darrell. Pour commencer, Munn a été interrogé par Dirick dans le cadre de l'opération policière déclenchée pour mettre la main sur Arcadia. Bien entendu, nous nous sommes procuré le procès-verbal complet de l'interrogatoire. Questions et réponses. Mais il y a aussi Dame Kalia. À en croire la rumeur publique, elle serait en disgrâce auprès de Stettin. Mais cette rumeur n'est pas confirmée par les faits. Non seulement, elle n'a pas encore été remplacée, mais elle a réussi à persuader Stettin d'accorder à Mun une autorisation qu'il lui avait d'abord refusée, et de plus, elle s'est permis de manigancer ouvertement l'évasion d'Arcadia. La preuve, c'est qu'au moins une douzaine d'officiers du palais ont affirmé les avoir vus ensemble au cours de la dernière soirée. Malgré tout ça, il ne lui est rien arrivé, alors même qu'on a visiblement tout fait pour essayer de retrouver Arcadia. Et que concluez-vous de ce torrent de propositions contradictoires Que l'évasion d'Arcadia était préparée d'avance C'est bien ce que je disais. Oui, mais non. Attendez. Arcadia a dû savoir que son évasion était bidon. Arcadia voit des complots partout, vous savez bien. Et elle est loin d'être bête. Elle a vu que c'en était un. Et à partir de là, elle s'est mise à raisonner comme vous. On l'a poussée à rentrer sur la fondation. Raison de plus pour se rendre sur Trantor. Seulement. Voilà. Pourquoi Trantor? J'allais vous le demander. Parce que, dans la même situation, c'est justement là-bas que sa grand-mère, son idole absolue, est allée se réfugier. Consciemment ou inconsciemment, Arcadia l'a imitée. Par contre, je me demande si elle fuyait le même ennemi. Le mulet demanda le docteur Darel avec une pointe d'ironie. Mais non Quand je parle d'ennemi, je veux dire une puissance mentale qu'elle était impuissante à combattre. C'est la seconde fondation qu'elle fuyait, ou les agents sous influence que la fondation est susceptible d'entretenir sur Kalgan. De quelle influence parlez-vous? Vous croyez vraiment que Kalgan est à l'abri de ce genre de menaces? Ils sont partout, vous savez. En tout cas, une chose est sûre. L'évasion d'Arcadia était truquée. Nous sommes bien d'accord là-dessus, au moins. Bon. Arcadia était recherchée. Elle s'est fait prendre mais on lui a permis délibérément de s'échapper par l'intermédiaire de Dirig. Dirig Vous vous rendez compte Mais comment Parce qu'il est des nôtres. Mais justement, qu'est-ce qu'ils en savaient Ils ne s'attendaient tout de même pas à ce qu'il retourne sa veste. Qu'est-ce que vous en dites, Doc Maintenant, vous dites... Qu'ils avaient l'intention de bonne foi de la récupérer. Franchement, vous commencez à me fatiguer, Antor. Terminez votre exposé, j'ai envie d'aller me coucher. Je n'en ai plus pour longtemps, ne vous inquiétez pas. Antor tira de sa poche intérieure un petit paquet d'enregistrements photographiques. Darrell reconnut aussitôt les zigzags familiers de l'encéphalographie. C'est le schéma psychique de Dirig. Dit-il d'un ton dégagé. Il a été pris depuis son retour. Pour Darrell, la chose était visible à l'œil nu. Il releva la tête, il était livide. Il a été conditionné. Exactement. Il a permis à Arcadia de s'échapper, non pas parce qu'il est des nôtres, mais parce qu'il est en fait l'instrument de la seconde fondation. Même après avoir appris qu'elle se rendait sur Trentor, pas sur Terminus, Antor haussa les épaules. Il a été conditionné pour la laisser partir. Il n'avait aucun pouvoir de modifier cette décision. Ce n'était qu'un instrument, c'est tout. Il n'avait pas à prendre d'initiative. Simplement, il s'est trouvé qu'Arcadia a suivi la ligne de conduite la moins probable. Elle est sûrement en sécurité à l'heure qu'il est. En tout cas, tant que la seconde fondation n'aura pas modifié ses plans pour tenir compte des nouvelles circonstances. Il s'interrompit. Le petit signal lumineux de la vidéo s'était mis à clignoter. Branché sur un circuit indépendant, il annonçait une édition spéciale. Darrell l'aperçut également, et avec un geste machinal né d'une longue habitude, il alluma le poste. Ils tombèrent sur le milieu d'une phrase, mais avant qu'elle ne soit terminée, ils apprirent que le Malo ou du moins son épave, avait été retrouvé, et que pour la première fois depuis près d'un demi-siècle, la Fondation était à nouveau en guerre. Antor serrait les mâchoires. Eh bien, Doc. Vous avez entendu comme moi. Kalgan vient d'attaquer. Et Kalgan est sous l'emprise de la seconde Fondation. Vous allez vous décider à suivre l'exemple de votre fille Vous allez aller sur Trentor Non. Tant pis. Je cours le risque, je reste ici. Docteur Darrell, vous n'êtes pas aussi intelligent que votre fille. Je me demande jusqu'à quel point on peut vous faire confiance. Sans s'iller une seule fois, il fixa longuement Darel. Puis, sans un mot, quitta la pièce. Darrell demeura seul en proie à l'incertitude, au bord du désespoir. Il ne prêtait plus la moindre attention à la vidéo, où s'enchaînaient dans le désordre le plus complet reportages et commentaires fébriles qui tous relataient en détail la première heure de guerre entre Calgan et la Fondation. Chapitre XVII La guerre Sans autre nécessité que celle de se donner une contenance, le maire de la Fondation lissa du plat de la main la couronne de cheveux raides qui lui entourait le crâne. Il soupira. Toutes ces années perdues. Toutes ces occasions dont nous n'avons pas su profiter. Je ne reproche rien à personne en particulier, docteur Darrell. Mais si nous perdons, nous l'aurons bien cherché. Je ne vois aucune raison de désespérer des événements, monsieur, dit Darrell. Aucune raison de désespérer Mais par la galaxie, il y aurait de quoi, au contraire. Venez donc par ici. Il poussa, plus qu'il ne guida, Darrell, en direction de l'ovoïde translucide qui reposait avec grâce en équilibre sur son champ de force. Sur une pression de la main du maire. L'objet s'illumina intérieurement et l'on vit paraître un modèle réduit à trois dimensions de la double spirale galactique. En jaune, nous avons les secteurs encore sous le contrôle de la Fondation, dit le maire surexcité. Et en rouge, ceux de Kalgan. Darrell vit alors une sphère écarlate, enserrée par un point jaune, qui l'entourait de toutes parts, sauf dans la région centrale de la galaxie. La galactographie, dit le maire, est notre plus grand ennemi. Nos amiraux ne font pas mystère de notre position stratégique. Elle est désastreuse. Voyez, les lignes de communication de l'ennemi restent concentrées par la force des choses. Il peut nous faire face de tous côtés avec une aisance égale. Il est à même d'assurer sa défense en y consacrant un minimum de force. Quant à nous, c'est le contraire. Nous sommes étendus en surface. La distance moyenne séparant les systèmes habités est à peu de choses près trois fois plus grande dans la Fondation que dans l'oligarchie de Kalgan. Pour se rendre de Sant'Ani à Locris, par exemple, nous devons emprunter un itinéraire de 2500 par sec, quand il leur suffit de parcourir 800 par sec si nous nous en tenons à nos territoires respectifs. Je saisis parfaitement la situation, monsieur, dit Darel. Ce que vous n'avez pas l'air de comprendre, c'est qu'en continuant ainsi, nous courons à la catastrophe. Les distances ne font pas tout dans un conflit. J'affirme que nous ne pouvons pas perdre. C'est rigoureusement impossible. Et pourquoi dites vous cela À cause de mon interprétation personnelle du plan Seldon. Oh réagit le maire en faisant la grimace tandis que, derrière son dos, ses mains claquaient nerveusement l'une contre l'autre. Alors vous aussi, vous avez foi en l'aide mystique de la seconde fondation Non. J'ai foi en ce qui est inévitable. Mais je crois également aux vertus du courage et de la persévérance. Pourtant, derrière cette confiance de façade, le doute s'insinuait en lui. Et si et si finalement Antor avait raison, et si Kalgan n'était qu'un instrument entre les mains de ces sorciers de l'esprit, et si leur propos était de vaincre et de détruire la Fondation Non, cela n'avait pas de sens. Et pourtant, il eut un sourire amer. Toujours la même histoire. Il se retrouvait encore une fois au pied du mur à tenter vainement de percer du regard une muraille de granit dont il savait qu'elle était parfaitement transparente aux yeux de l'ennemi. Les réalités de la situation galactique n'échappaient pas davantage à Stétine. Le seigneur de Calgan se tenait pour l'heure devant la réplique exacte de la maquette galactique que le maire et Darel venaient d'examiner. Avec cette différence pourtant, que ce qui faisait froncer les sourcils du maire amenait un sourire sur les lèvres de Stétine. Son étincelant uniforme d'amiral était mis en valeur par sa massive prestance. L'écharpe écarlate de l'ordre du mulet, dont le précédent premier citoyen l'avait décoré six mois à peine avant de lui céder la place à son corps défendant, barrait diagonalement sa poitrine de l'épaule à la ceinture. L'étoile d'argent, avec la comète double et les épées, étincelait sur son épaule gauche. Il s'adressait aux six membres de son état-major général, dont les uniformes étaient à peine moins tapageurs que le sien, en même temps qu'à son premier ministre, personnage éthique et terne, dont la présence détonnait autant qu'une toile d'araignée grisâtre rencontrée au cours d'une promenade par une belle journée ensoleillée. Je pense, dit-il, que notre voie est toute tracée. Nous pouvons nous permettre d'attendre et de voir venir. Pour nos adversaires, chaque jour qui s'écoule est un nouveau coup porté à leur morale. S'ils tentent de défendre l'ensemble de leur territoire, ils allongeront démesurément leur ligne de défense. Et nous pourrons leur porter simultanément deux coups de boutoir, ici et là. Il indiquait du geste la maquette de la galaxie où deux flèches blanches, partant de la sphère rouge, traversaient la tenaille jaune qui l'enserrait isolant Terminus de part et d'autre selon un arc de faible rayon. Ainsi nous sectionnerons leur flotte en trois tronçons, que nous pourrons anéantir séparément. S'ils se concentrent, ils devront abandonner volontairement les deux tiers de leur dominion, au risque de se retrouver probablement confrontés à des soulèvements. Seul le mince filet de voix du Premier ministre rompit le silence qui suivit. Dans six mois, dit il, la fondation sera plus forte de six mois. Ses ressources sont plus grandes que les nôtres, comme nous le savons tous. Leur flotte est numériquement supérieure. Leurs réserves humaines sont pratiquement inépuisables. Peut-être une offensive éclair serait-elle préférable. De toutes, c'était la voix du premier ministre qui avait le moins d'influence dans la pièce. Le seigneur Stettin sourit, balaya l'espace du plat de la main. Ces six mois. Qui pourront devenir une année en cas de nécessité ne nous coûteront rien. Les gens de la Fondation ne sauraient se préparer à quoi que ce soit. Ils en sont idéologiquement incapables. Ils comptent sur la seconde Fondation pour les sauver, c'est l'essence même de leur philosophie, mais cette fois-ci ils se trompent. N'ai-je pas raison Les assistants s'agitèrent d'un air contraint. Je constate que vous manquez de confiance dit d'un ton glacial. Est-il nécessaire de vous répéter une fois encore les rapports de nos agents qui nous sont parvenus du territoire de la Fondation ou de vous citer les découvertes de M. Omir Mun, cet agent de la Fondation désormais à notre... service? Messieurs, je vous propose que nous levions la séance. Stettin rentra dans ses appartements avec sur le visage le même sourire figé. Il s'interrogeait parfois sur le compte de ce Homir Men, curieux bonhomme, à l'échine souple, qui n'avait guère justifié les premiers espoirs mis en lui, et pourtant son esprit fourmillait de renseignements qui emportaient invariablement la conviction, surtout lorsque Kaya était présente. Son sourire s'élargit. Cette grosse idiote avait ses bons côtés, après tout. Du moins parvenait-elle par ses cajoleries à tirer les vers du nez à Meun avec plus de succès que lui-même et à moindre frais. Pourquoi ne pas en faire cadeau à Meun après tout Il fronça les sourcils. Calia. La jalousie incarnée. Par l'espace, si seulement il tenait toujours la petite Darel. Pourquoi n'avait-il donc pas réduit en bouillie la tête de cette grosse imbécile pour la punir de lui avoir joué un tour pareil Il avait beau chercher, il n'arrivait pas à trouver la raison de sa mansuétude. Peut-être parce qu'elle s'entendait bien avec Mun Et qu'il avait besoin de Mun C'était Mun, par exemple, qui avait démontré que, selon l'opinion du mulet, la seconde fondation n'existait pas. Ses amiraux avaient grand besoin de cette assurance. Il aurait aimé étaler l'épreuve au grand jour, mais il valait mieux laisser la Fondation croire à l'existence de cet allié chimérique. N'était-ce pas Calia qui lui avait suggéré cette tactique Oui, c'était vrai. Elle avait dit... N'importe quoi. Elle était bien incapable de dire quelque chose. Et pourtant... Il secoua la tête pour s'éclaircir les idées et pensa à autre chose. Chapitre 18 Un monde fantôme Trentor était une planète dévastée qui renaissait de ses cendres. Tel un bijou terni incrusté au cœur de l'affolante nuée de soleil qui encombrait la partie centrale de la galaxie, des monceaux d'étoiles qui s'y trouvaient agglutinés avec une prodigalité aveugle, Trentor se prenait à rêver, déchiré entre le passé et l'avenir. En un temps désormais révolu, les tentacules immatériels servant de canaux à sa puissance, avait jailli de son revêtement de métal pour s'étendre jusqu'aux points les plus reculés du royaume des astres. Trantor avait été jadis recouverte sur toute sa surface par une cité colossale, abritant 400 milliards d'administrateurs, la capitale la plus puissante qui eût jamais existé. Depuis que le déclin de l'Empire l'avait atteinte dans ses œuvres vives, suivie du grand pillage cent ans auparavant, sa puissance n'avait cessé de décroître, de se replier sur elle-même, brisée à jamais. Dans la fulgurante tourmente qui avait déchaîné sur elle la ruine et la mort, la coque de métal qui enveloppait la planète s'était crevassée et effondrée en une douloureuse caricature de sa propre grandeur déchue. Les survivants arrachèrent une à une les plaques de métal et les cédèrent aux autres planètes en échange de semences et de bétail. Le sol fut remis à nu et la planète retrouva sa vocation première. En ouvrant des territoires de plus en plus étendus à une agriculture primitive, elle retourna à la vie simple des origines et oublia sa grandeur passée. Mais dans une certaine mesure seulement, car les vestiges titanesques qui dressaient encore vers le ciel dans le silence amer des ruines leur forme colossale et digne étaient encore là pour la leur rappeler. Arcadia contemplait, le cœur serré, la cordillère de métal qui saignait l'horizon. Le village où vivaient les palveurs n'était à ses yeux qu'un agglomérat de maisons petites et primitives. Les champs qui l'entouraient étaient d'un jaune doré où le froment poussait dru. Mais là-bas, tout juste à l'horizon, se dressaient encore les vestiges du passé. Là-bas, Étincelait encore le souvenir d'une splendeur inaltérée, brillant de mille feux lorsque le soleil de Trentor venait le frapper de ses rayons éblouissants. Une fois déjà, elle était venue à cet endroit, au cours des mois qui s'étaient écoulés depuis son arrivée sur Trentor. Elle avait grimpé jusqu'aux chaussées lisse, dépourvues de jointures, et s'était aventurée dans les bâtiments silencieux envahis par la poussière, où la lumière pénétrait à travers les crevasses qui trouaient murs et cloisons. Ce spectacle la rendait malade. Elle avait eu l'impression d'une authentique profanation. Elle était partie en éveillant des échos bruyants autour d'elle et n'avait cessé de courir qu'au moment où ses pieds avaient de nouveau foulé le sol élastique. Puis, elle avait dû se contenter de jeter derrière elle un regard plein de nostalgie. Elle n'osait plus troubler désormais la méditation de la cité endormie. Elle était née, elle le savait, quelque part sur ce monde, près de l'ancienne bibliothèque impériale qui était ce qu'il y avait de plus trentorien sur Trentor. C'était l'endroit le plus sacré qui fut, le Saint des Saints. Sur toute la surface planétaire, seules ces infrastructures avaient survécu au grand pillage et depuis un siècle, elles étaient demeurées complètes et indemnes, jetant un défi à l'univers. Là, Harry Seldon et son groupe avaient tissé leur inimaginable toile. Là, Ebling Miss avait percé le grand secret qu'il avait laissé pétrifier de surprise jusqu'au moment où il avait péri en l'emportant dans la tombe. Là, dans cette bibliothèque impériale, ses grands-parents avaient vécu pendant dix ans jusqu'à la mort du mulet jusqu'à ce qu'il puisse retourner sur la fondation promise à une prompte renaissance. C'était là, à l'intérieur même de la bibliothèque impériale, là où son propre père était venu à son tour en compagnie de son épouse dans l'espoir d'y trouver lui aussi, mais en vain, les traces de la seconde fondation qu'elle était née. Et c'était là que sa mère était morte. Elle aurait aimé visiter une nouvelle fois la bibliothèque, mais Prime Palver avait secoué sa tête ronde. Elle se trouve à des milliers de kilomètres, Arcadie. Et il y a tant à faire ici. D'ailleurs, c'est malsain d'aller rôder par là-bas, tu sais. C'est un sanctuaire. Mais Arcadia ne le savait que trop. Il n'avait aucun désir de visiter la bibliothèque. La bibliothèque avait connu le même sort que le palais du mulet. Les pygmées du présent avaient une peur maladive, superstitieuse des reliques laissées par les géants du passé. Et pourtant, Arcadia se serait sentie horriblement injuste d'en garder rancune à ce drôle de petit bonhomme. Il y avait maintenant près de trois mois qu'elle se trouvait sur Trentor et pendant tout ce temps, il n'avait cessé, le père comme la mère, de la choyer à tour de rôle. Et que leur donnait-elle en échange Ne risquait-elle pas de les entraîner dans une ruine commune Les avait-elle averties qu'elle était promise à une mort prématurée Non. Non. Elle leur laissait tranquillement assumer leur rôle de protecteur, tout en sachant pertinemment qu'il allait leur être fatal. Sa conscience la harcelait de remords intolérables. Pourtant avait-elle le choix À regret, elle descendit l'escalier pour prendre son petit déjeuner. Le bruit des voix parvint à ses oreilles. Prime Palver avait glissé le coin de sa serviette dans son col de chemise en imprimant une torsion à son cou dodu et tendu le bras vers les œufs pochés avec une satisfaction sans mélange. Hier, la mère, je suis allé à la ville, dit il en brandissant sa fourchette, noyant aussitôt ses paroles sous une énorme bouchée de nourriture. Et qu'est ce qui se passe de beau à la ville, le père? demanda distraitement la mère en s'asseyant, avant de se relever aussitôt après avoir lorgné la table d'un regard scrutateur et constaté que la salière était absente. Les nouvelles sont pas fameuses. Un vaisseau a réussi à revenir de Kalgan avec des journaux de là-bas. C'est la guerre, il paraît. La guerre, tiens donc. Eh bien, qui se tape dessus tant qu'ils veulent, s'ils ne trouvent rien de mieux à faire Mais dis donc, au fait, tu as toujours pas reçu ta paix Le père, dis voir au vieux Cosquer que sa coopérative, c'est pas la seule, hein? C'est déjà assez d'avoir honte de dire à mes amis de combien elle est à paix, si en plus maintenant elle arrive en retard. Toi, tu y es jamais en retard pour dire des âneries, s'exclama le père avec irritation. Oh, tu vois, il faut pas me faire dire des choses comme ça à table, après je m'étouffe. Et ce disant, il faisait des ravages dans la pile de tartines beurrées. Il ajouta d'un ton moins acide C'est Calgan et la Fondation qui se battent. Et ça fait deux mois que ça dure. À l'aide de ses deux mains, il mima un combat spatial de fantaisie. Hum mm hum. Et comment ça se passe Pas trop bien pour la Fondation. Tu as vu comment c'était sur Kalgan Des soldats partout. Ils étaient fin prêts, en fait. La Fondation, pas vraiment, alors forcément, pouf Soudain la mère reposa sa fourchette et siffla. Imbécile. Moi? tête de pioche. Faut toujours que tu la ramènes. Son index se tendit brusquement, et lorsque le père regarda par dessus son épaule dans la direction indiquée, il vit qu'Arcadia était là pétrifiée sur le seuil de la porte. La fondation est en guerre? demanda t-elle. Le père regarda la mère d'un air consterné et hocha la tête. Et ils sont en train de la perdre Nouveau hochement de tête. Arcadia sentit monter à sa gorge une affreuse angoisse et s'approcha lentement de la table. Ça y est C'est fini murmura-t-elle. Fini répéta le père avec une feinte truculence. Qui a dit que c'était fini Tu sais. Il peut s'en passer des choses pendant une guerre, et. et. Assieds-toi, mon chou, dit la mère d'un ton consolant. On ne devrait jamais parler le matin avant de manger. On n'est pas en bonne condition, l'estomac vide. Mais Arcadia ne tint aucun compte de son conseil. Les Calganiens ont débarqué sur Terminus Non, dit le père sérieusement. Les nouvelles datent de la semaine dernière, et ils disent que Terminus se défend toujours. Non, c'est vrai, et la Fondation a encore de la réserve. Tu veux que je t'apporte les journaux Oui. Elle les parcourut en avalant péniblement quelques bouchées, les yeux brouillés de larmes. Santani et Corel avaient été emportés sans coup férir. Une escadre de la flotte de la Fondation avait été surprise dans le secteur clairsemé défini et pratiquement anéantie. La Fondation se trouvait de nouveau réduite aux Quatre Royaumes, telle tel qu qu'elle se trouvait du temps de Salvor ardine le premier maire. Mais elle combattait toujours, et il lui restait peut-être encore une chance. Quoi qu'il arrivât, Arcadia devait informer son père. Il fallait à tout prix qu'elle parvint à le joindre. Il le fallait. Mais comment, avec une guerre en cours? Vous allez bientôt repartir en mission, monsieur Palver? demanda t-elle après le petit déjeuner. Le père était assis dans son grand fauteuil sur la pelouse devant la maison. Il prenait le soleil. Un gros cigare se consumait entre ses doigts boudinés. On aurait dit un de ces petits chiens à poils ras au museau aplati. Il avait l'air aux anges. Une mission, répéta-t-il paresseusement. Je sais pas trop en fait. On est bien en vacances, mes congés sont pas encore terminés. Pourquoi tu me demandes ça Tu en as déjà marre d'être ici, Arcadia Moi Non. Je me plais bien ici. Vous êtes tellement gentil avec moi, vous et Madame Palver. Il agita la main, comme pour écarter ses éloges importuns. Je pensais à la guerre, dit Arcadia. Justement. Faut pas y penser. Qu'est-ce que tu peux y faire, toi, de toute façon Quand on peut rien faire, c'est pas la peine de se faire du mal comme ça pour rien. Je pensais que la Fondation avaient perdu la plupart de ces planètes agricoles, ils doivent être obligés de se rationner à l'heure qu'il est. Le père sembla mal à l'aise. T'en fais pas, ça va aller. Elle écoutait à peine. Si seulement je pouvais leur envoyer de la nourriture. Vous savez qu'après la mort du mulet, la Fondation s'était révoltée, Terminus s'était retrouvé isolé du coup. C'est le général Anne Pritcher, qui avait succédé pendant quelque temps au mulet, qui en faisait le siège. Il n'y avait presque plus rien à manger. Et mon père m'a dit que son père lui avait dit que tout ce qu'il leur restait, c'était des acides aminés déshydratés qui avaient un goût affreux. À ce moment-là, un œuf, ça coûtait 200 crédits. Vous vous rendez compte Puis le blocus a été levé juste à temps. Et des cargos pleins de vivres sont arrivés de Sant'Ani. Ça a dû être terrible quand même. Si ça se trouve, c'est ce qui se passe. Ça recommence. Après un court silence, Arcadia continua. Je parie que la Fondation serait prête à payer des tarifs de contrebande pour arriver à avoir de la nourriture en ce moment. Le double ou le triple Peut-être même plus si ça se trouve. Ouais, ça c'est une idée. C'est une coopérative de Trente ors s'y mettait, par exemple, c'est sûr qu'elle perdrait peut-être quelques vaisseaux, mais. Je parie qu'elle serait milliardaire avant la fin de la guerre. Les marchands de la Fondation, à leur époque, ils faisaient ça tout le temps. À chaque fois qu'il y avait une guerre, ils s'arrangeaient pour vendre les marchandises dont les gens manquaient le plus. Ça valait le coup de prendre quelques risques. Ils arrivaient à gagner jusqu'à deux millions de crédits en un seul voyage bénéfice net et encore c'est parce que c'était le maximum qu'ils pouvait transporter sur un seul vaisseau. le père s'agita son cigare s'était éteint sans qu'il le remarquât leur vendre de la nourriture moi c'est une idée ça « Mais c'est loin, dis-donc, la fondation. »« Je sais. »« J'imagine que ça ne doit pas être possible directement depuis ici. »« En empruntant un vaisseau des lignes régulières, vous pourriez guère aller au-delà de Masséna, ou de Chmouchik à la rigueur. »« Et il faudrait louer un petit vaisseau de reconnaissance ou un truc de ce genre pour vous faufiler entre les lignes. » Le père se mit à se caresser les cheveux. Il faisait ses calculs. Deux semaines plus tard, les arrangements concernant la mission étaient terminés. La mère invectivait le père la plupart du temps. D'abord pour l'incurable obstination avec laquelle il courait au suicide, ensuite pour l'incroyable obstination qu'il déployait à lui refuser la permission de l'accompagner. La mère, on dirait des caprices de grand-mère, dit le père. Je ne peux pas t'emmener. C'est un travail d'homme. Tu crois que c'est un jeu d'enfant, la guerre? Et toi alors, pourquoi tu y vas? Tu te prends peut-être pour un homme, vieux sacripant? T'as déjà un pied et la moitié du bras dans la tombe? Laisse donc la jeunesse y aller à ta place. Regardez moi ce gros plein de soupe, qu'a plus un poil sur le caillou. D'abord, je ne suis pas chauve, rétorqua dignement le père. J'ai encore des tas de cheveux même. Et pourquoi que ce serait pas moi qui irais? Pourquoi est ce qu'il faudrait que je laisse tout cet argent aux jeunes, hein? Moi aussi j'ai droit à ma commission. Enfin, quoi, il y a sûrement des millions à gagner. Elle ne l'ignorait pas, et elle se calma. Arcadia le revit une fois avant son départ. Vous partez pour Terminus? s'en quitte -t elle. Pourquoi pas? Tu as dit toi-même qu'ils avaient besoin de pain, de riz et de pommes de terre. Eh bien voilà, je vais faire affaire avec eux, et ils auront ce qu'ils veulent. Bon Eh bien alors... Juste une petite chose. Puisque vous allez sur Terminus, vous pourriez... Vous pourriez aller voir mon père Le visage du père se plissa tout à coup au comble de l'attendrissement. Eh bien, tu en as mis du temps, mais bien sûr que je vais aller le voir, ton papa. Je lui dirai que tu n'as rien, que tu te portes bien, et qu'une fois la guerre finie, je te ramènerai. Merci. Je vous dirai comment le trouver. Il s'appelle Toran Darrel, il est docteur, et il habite Stanmark. C'est dans la banlieue immédiate de Terminusville. Et vous pourrez prendre le petit avion navette qui y conduit nous habitons cinquante-cinq allée du canal. Attends, je vais noter l'adresse. Non, non, Arcadia tendit un bras rapide comme l'éclair. Il ne faut rien écrire, il faut la prendre par cœur, et une fois là-bas, il faudra vous débrouiller pour trouver le chemin sans avoir à demander à personne. Le père parut intrigué. Puis il haussa les épaules. Bon d'accord. Cinquante-cinq allées du canal à Stanmark dans la banlieue de Terminusville, et on prend l'avion navette, c'est bien ça Encore un truc, oui. Vous voulez bien lui dire quelque chose de ma part Bien sûr. Je veux vous le dire à l'oreille. Il inclina vers elle sa joue dodue Et elle lui chuchota quelques mots. Les yeux du Père étaient ronds comme des soucoupes. C'est ça que tu veux que je lui dise Mais ça veut rien dire Oui, mais lui il saura ce que ça veut dire. Dites-lui juste que c'est moi qui vous ai dit de le dire et que je vous ai dit qu'il comprendrait. Mais il faut le dire exactement comme moi, pas autrement. Vous n'oublierez pas. Il n'y a même pas dix mots dans ta phrase, et des petits en plus. Non, ça risque pas. Tu vas voir. Non, non. Elle bondit littéralement sur place au comble de l'énervement. Ne le répétez pas. Ne le répétez jamais à personne. Sauf à mon père. En attendant, il faut même plus y penser, vous le jurez. Le père haussa de nouveau les épaules. Jurez, c'est promis. Très bien, dit-elle d'un ton lugubre. Et tandis qu'elle le regardait remonter l'allée conduisant à l'aérotaxi qui devait le mener au spatioport, elle se demanda si elle ne venait pas de signer l'arrêt de mort du brave homme, si elle le reverrait jamais. C'est à peine si elle osait rentrer à la maison et se trouver de nouveau face à face avec la mère, sa bonne et affectueuse maman d'adoption. Peut-être, Lorsque tout serait fini, serait-il préférable qu'elle se tuât pour expier le mal qu'elle leur aurait fait Chapitre 19 la fin de la guerre. Bataille de Coriston. Opposa le 3-1-377 de l'ère de la Fondation les forces de la Fondation et celles du seigneur Stettin de Calgan. Ce fut la dernière grande bataille de l'Interrègne. Encyclopédia Galactica. Joel Turbor, désormais correspondant de guerre, avait vu sa vaste corporalité. Subitement enchâssé dans un uniforme de la flotte, ce qui à vrai dire ne fut pas pour lui déplaire. Il savourait la joie d'avoir retrouvé les chemins du ciel, et il perdit quelque peu la sensation de farouche impuissance qui caractérisait la lutte contre la seconde fondation au profit d'un sentiment plus exaltant, avec la perspective de se mesurer à des vaisseaux faits d'une matière substantielle et à des hommes en chair et en os. Assurément, le combat mené par la Fondation n'avait guère été fertile en victoire, mais il était toujours possible de considérer la situation avec une certaine philosophie. Après six mois d'hostilité, l'essentiel de la Fondation demeurait intact et les forces vives de la flotte n'avaient pas été entamées. Avec les nouvelles unités mises en service depuis le commencement de la guerre, elle était presque aussi forte du point de vue numérique et techniquement plus puissante qu'après la défaite d'Ifni. Dans l'intervalle, les défenses planétaires avaient été renforcées, les forces armées mieux entraînées, l'administration expurgée des éléments superflus était devenue plus efficace, et une grande partie de la flotte conquérante calganienne était immobilisée par la nécessité d'occuper les territoires conquis. Pour le moment, Turbor se trouvait avec la troisième flotte, dans les limites périphériques du secteur anacréonien. Conformément à sa politique éditoriale consistant à vouloir rendre compte de ce qu'il appelait la guerre des humbles, il s'attachait à donner la parole aux petits, aux sans-grades. Il interviewait donc ce jour-là Fenel Limor, mécanicien volontaire de troisième classe. « Parlez-nous un peu de vous, Matelot, » dit Turbor. « Oh, il n'y a pas grand-chose à dire. » Limor remuait les pieds avec embarras. Et laissa un sourire timide venir éclairer son visage, comme s'il avait pu voir les millions de gens qu'il observait probablement sur leur écran à ce moment précis. Je suis l'Ocrien. Avant, je travaillais dans une usine d'aérovoiture, j'étais chef d'équipe, ça payait bien. Je suis marié, deux enfants, deux filles. Dites-vous, peut-être que je pourrais leur dire un petit bonjour, pour le cas où elles seraient à l'écoute. Allez-y, Matelot. Le micro est à vous. Regardez bien la caméra. Waouh! Super, merci! bafouilla-t-il. Salut Mila. Au cas où tu regardes. Je vais bien. Et Sunny, ça va? Et Thomas? Je pense à vous tout le temps. Et peut-être que j'irai en permission quand on rentrera au port. J'ai reçu ton paquet de provisions, mais je te le renvoie. Nous, ici, ça va de ce côté-là. On mange normalement. Mais il paraît que les civils sont un peu rationnés. Bon, eh ben, je crois que c'est tout. J'irai la voir à mon prochain voyage à Locris, matelot, et je veillerai à ce qu'elle ne manque de rien, ça vous va Le jeune homme eut un large sourire et hocha énergiquement la tête. Merci, monsieur Turbord. ce serait sympa de votre part. Ce n'est rien. Puis-je vous poser quelques questions Vous êtes volontaire, n'est-ce pas un peu que je suis volontaire. Moi, quand on me cherche, on me trouve. Je me suis engagé le jour même où j'ai appris pour le Obermallow. Bien vu, matelot. Et vous avez déjà participé à beaucoup de combats Je remarque que vous portez deux étoiles. <coughs> le matelot venait de cracher par terre. Si on peut appeler ça des combats, moi, je dirais plutôt de la course de fond. Les Calganiens, s'ils ne sont pas cinq contre un, ils refusent de se battre. Et même comme ça, ils s'arrangent pour nous isoler les uns des autres, pour pouvoir nous avoir plus facilement. J'avais un cousin à Ifni. Il était sur un des vaisseaux qui s'en est sorti. Un tout vieux, les Blingmis. Eh bien, mon cousin, il m'a raconté qu'ils avaient fait la même chose. Ils avaient rassemblé toute une flotte juste pour se battre contre une escadre. À la fin, il ne nous restait plus que cinq vaisseaux. Eh bien, ils continuaient à éviter le combat rapproché. N'empêche, ce jour-là, on leur a descendu deux fois plus de vaisseaux que nous nous en ont descendus. Alors vous croyez que nous allons gagner la guerre Un peu qu'on va la gagner. Surtout que maintenant, on recule plus, c'est fini ça. Et puis, si vraiment ça tournait mal, je pense qu'il y aurait quand même la seconde fondation pour venir nous donner un coup de main. On a toujours le plan Seldon, nous. Et ça, ils le savent bien, va Turbord fit un peu la grimace. Alors, vous comptez sur la seconde fondation le matelot manifesta une honnête surprise. Ben, ouais! Comme tout le monde, non? L'aspirant l'homme entra dans la cabine de Turbord après l'émission. Il tendit une cigarette au correspondant de guerre et repoussa sa casquette sur son occiput dans une position d'équilibre instable. Nous avons fait un prisonnier, dit-il. Ah oui? Oui, un petit bonhomme un peu cinglé. Il prétend qu'il est neutre. Immunité diplomatique, carrément. Je crois qu'on ne sait pas trop que faire de lui, en fait. Il s'appelle Palvro Palveur, quelque chose comme ça, et il dit qu'il est de Trantor. Je me demande ce qu'il vient faire dans une zone de guerre. Mais Turbor s'était redressé sur sa couchette. La sieste serait pour plus tard. Il se souvenait parfaitement de sa dernière entrevue avec Darrell, le lendemain de la déclaration de guerre, alors qu'il se préparait à partir. Prime Palveur. Dit-il. Ce n'était pas une question. Tipeee l'homme dressa l'oreille et laissa la fumée de sa cigarette s'échapper par les coins de sa bouche. Ouais C'est ça dit-il. Par l'espace Mais comment vous le saviez Peu importe. Puis-je le voir Par l'espace, ça, c'est pas moi qui pourrais vous le dire. Le pacha l'a emmené dans sa cabine personnelle pour l'interroger. Tout le monde le prend pour un espion. Allez dire au commandant que je le connais. Et qu'il est bien ce qu'il prétend être. J'en prends la responsabilité. Sur le vaisseau amiral de la troisième flotte, le capitaine de vaisseau Dixil observait sans relâche le super détecteur. Tout vaisseau était obligatoirement une source de radiation subatomique, même à supposer qu'il fût réduit à l'état de masse inerte. Et chaque point focal d'une telle radiation apparaissait comme une petite étincelle dans le champ tridimensionnel. On avait procédé à l'appel de tous les vaisseaux de la Fondation sans omettre une seule étincelle, après que le petit espion qui se prétendait neutre avait été fait prisonnier. Pendant quelque temps, ce vaisseau avait provoqué une certaine agitation dans l'entourage du capitaine. Peut-être serait-il nécessaire de procéder à un changement de tactique dans un court délai. En l'état actuel des choses. Êtes-vous certain de vos coordonnées s'informa-t-il. Le capitaine de frégate Sen hocha la tête. Affirmatif, mon capitaine. Mon escadre se rendra sur zone en mode hyperespace. Rayon 10,00 par sec. 268,52 degrés. Phi 84,15 degrés. Retour au point d'origine à 1330. Durée totale de l'absence, 11,83 heures. Bien. Il faut que nous puissions compter sur un retour sur zone parfait au niveau des coordonnées espace temps compris Oui, mon capitaine. Il consulta sa montre-bracelet. Mes vaisseaux seront parés pour 0140. Bien, dit le capitaine Dixil. L'escadre Calganienne n'était pas pour l'instant à portée de détecteur, mais cela ne pouvait tarder. Différents recoupements l'indiquaient. En l'absence de l'escadre de Seine, les forces de la Fondation se trouveraient en grave infériorité numérique. Mais le capitaine était confiant. Très confiant palver regardait mélancoliquement autour de lui. Son regard tomba tout d'abord sur l'amiral, grand et osseux, puis sur les autres, tous en uniforme, et enfin sur le dernier, grand et gros, avec son col ouvert et sans cravate, contrairement aux autres, qui déclaraient vouloir lui parler. Je suis parfaitement conscient, disait Joel Turbor, de la gravité des circonstances mais je vous assure que si vous me permettez de m'entretenir avec lui pendant quelques minutes, il se peut que je sois à même d'apaiser vos inquiétudes. Existe t-il une raison qui s'oppose à ce que vous l'interrogiez en ma présence? Turbor fit la moue et prit un air buté. Amiral, dit il, depuis que je suis attaché de presse auprès de votre formation, la troisième flotte a joui d'une excellente presse. Vous pouvez poster des gardes à la porte, si vous le voulez, et rentrer dans cinq minutes. Mais dans l'intervalle, accordez moi cette petite faveur, et votre prestige n'en souffrira pas. Je ne sais si je me fais bien comprendre. Ce petit discours obtint l'effet attendu. Demeuré en tête à tête avec le prisonnier, Turbor se tourna vers Palver et lui dit « Vite, dites-moi le nom de la jeune fille que vous avez enlevée. » Palver ne put couvrir des yeux ronds et secouer la tête. « Ne faites pas l'idiot !» dit Turbor. « Si vous refusez de répondre, vous serez considéré comme un espion. » Et en temps de guerre, les espions sont désintégrés sans jugement. Arcadia d'Arel finit par balbutier Palver en haletant « À la bonne heure !» Vous voyez quand vous voulez. Elle est donc saine et sauve. Palver hocha la tête. Vous en êtes bien sûr. J'espère pour vous, sinon ça pourrait mal aller. Elle est en bonne santé, elle va bien, dit Palver d'une voix atone. L'amiral reparut. Eh bien. Cet homme n'est pas un espion. Vous pouvez croire ce qu'il vous dit, je m'en porte garant. Vraiment. L'amiral fronça les sourcils. Dans ce cas, il représente une coopérative agricole de Trentor qui désire souscrire un traité de commerce avec Terminus pour la livraison de grains et de pommes de terre. Parfait. Mais nous ne pouvons pas lui rendre la liberté pour l'instant. Pourquoi pas s'enquit vivement Palveur. Parce que nous sommes en pleine bataille. Lorsqu'elle sera terminée, en supposant que nous soyons toujours vivants, nous vous conduirons sur Terminus. La flotte calganienne déployée dans l'espace, détecta les vaisseaux de la Fondation à une distance phénoménale, et fut elle-même aussitôt repérée. S'observant, tels des Lucioles sur l'écran de leurs superdétecteurs respectifs, les deux ennemis se rapprochaient à travers le néant. L'amiral commandant la flotte de la Fondation fronça les sourcils et dit ⁇ Ce doit être leur offensive principale. Voyez le nombre de leurs unités. Puis il ajouta mais ils ne tiendront pas devant nous. Du moins si l'escadre de Seine se trouve au rendez-vous. Le capitaine de frégate Seine les avait quittés plusieurs heures auparavant, dès l'apparition de l'ennemi sur les écrans. Il n'était plus possible désormais de modifier le plan. La manœuvre réussirait ou ne réussirait pas. Mais l'amiral était parfaitement confiant. De même que les officiers. De même que les équipages. Mais revenons à nos lucioles, tel un balai mortel en formation irréprochable, elles étincelaient sur l'écran. La flotte de la fondation amorça une lente retraite. Des heures passèrent et la flotte obliqua lentement, attirant légèrement l'ennemi hors de sa trajectoire et accentuant le mouvement. Dans l'esprit de ceux qui avaient conçu le plan de bataille, un volume donné de l'espace devait être occupé par les vaisseaux calganiens. Les bâtiments de la fondation se faufilaient subrepticement hors de ce volume. Les Calganiens prenaient leur place. Ceux qui débordaient du périmètre subissaient une attaque foudroyante à pleine puissance. Ceux qui demeuraient à l'intérieur n'étaient pas inquiétés. Tout dépendait de la répugnance que manifesteraient les vaisseaux de Stettin à prendre l'initiative ou de leur propension à demeurer dans la position où ils ne subiraient pas d'attaque. Le capitaine de vaisseau Dixil jeta un coup d'œil impassible sur sa montre-bracelet. Il était 1310. Nous avons encore vingt minutes, dit-il. Le lieutenant qui se trouvait à ses côtés hocha la tête d'un air concentré. Tout a l'air d'aller bien pour l'instant, mon capitaine. Nous avons encerclé 90% de leurs unités. Si nous pouvons les maintenir dans cette position... Oui. Si. Les bâtiments de la Fondation avaient repris leur marche en avant, à très faible vitesse, pas assez rapide pour déclencher une retraite calganienne, leur avance tout juste suffisante pour décourager toute velléité d'offensive de l'ennemi. Ils préféraient attendre. Et les minutes passèrent. À 1325, le signal de l'amiral retentit dans soixante-quinze des vaisseaux que la Fondation avait alignés en ordre de bataille, et avec le maximum d'accélération, ils foncèrent vers le front d'attaque de la flotte calganienne, forte elle-même de 300 unités. Les boucliers calganiens entrèrent en action, et les puissants rayons énergétiques jaillirent. Les trois cents vaisseaux concentrèrent leur feu dans la même direction sur leurs assaillants insensés qui fonçaient tête baissée droit devant eux. Et à 1330, cinquante vaisseaux, sous le commandement de Seine, surgir de nulle part en un seul saut à travers l'hyperespace en un point déterminé au moment déterminé et se jetèrent avec une furie dévastatrice sur les arrières calganiens surpris le piège fonctionna parfaitement les calganiens avaient toujours la supériorité numérique mais ils n'étaient visiblement pas d'humeur à en profiter leur premier mouvement fut de prendre la fuite et la formation une fois rompue se trouva d'autant plus vulnérable que les vaisseaux ennemis se gênaient mutuellement en entrecroisant leur trajectoire. Après un moment, l'affaire tourna littéralement au jeu de massacre. Sur les trois cents vaisseaux calganiens, le cœur et l'orgueil de la flotte, une soixantaine à peine, parmi lesquels un grand nombre endommagé au point d'être irréparable, vinrent se poser sur Calgan. En ce troisième jour de la nouvelle année 377, les pertes de la fondation se montaient à huit unités sur un total de 125 vaisseaux. Prime Palver se posa sur Terminus alors que les festivités battaient leur plein. La liesse populaire le mit un peu mal à l'aise, mais avant de quitter la planète, il s'était acquitté de ses deux missions et s'était vu confier une requête. Les deux missions étaient les suivantes. 1. Conclure un traité commercial au terme duquel la coopérative de Palver s'engageait à livrer 20 cargos de marchandises par mois au cours de l'année suivante, à des tarifs de guerre, sans encourir, grâce à la récente bataille, les risques correspondants. 2. Communiquer au docteur Darrell la phrase confiée à son oreille par Arcadia. Darrell l'avait regardé avec des yeux ronds, pétrifié par la surprise, puis il lui avait confié sa requête. Il lui demandait de transmettre sa réponse à Arcadia. Palver trouva cette phrase-là davantage à son goût, car elle était simple et tout le monde pouvait la comprendre. Rentre maintenant, il n'y aura plus de danger. Le seigneur Stettin écumait de rage et de dépit. Voir toutes ses armes se briser entre ses mains, sentir la trame robuste de sa puissance militaire se décomposer entre ses doigts n'y avait-il pas de quoi tourner en lave brûlante le flegme le plus imperturbable? Pourtant, son impuissance était totale, et il ne l'ignorait pas. Il n'avait pratiquement pas dormi depuis des semaines, il ne s'était pas rasé depuis trois jours, il avait annulé toutes ses audiences, ses amiraux étaient abandonnés à eux mêmes, et nul mieux que le seigneur de Calgan ne savait qu'avant longtemps, si de nouvelles défaites venaient à survenir, son royaume deviendrait la proie des soulèvements internes. La présence de Lève Mérus, le Premier ministre, n'arrangeait pas les choses. Il restait là, debout, calme et vieux jusqu'à l'indécence, avec ses doigts secs et nerveux qui tapotaient, comme toujours, la ride profonde qui lui barrait le visage de la racine du nez à la pointe du menton. Eh bien. Hurlait Stétine à son adresse. Faites un peu quelque chose. Nous voilà battus, comprenez-vous, battus. Et pourquoi Je n'en sais rien. Voilà, je ne sais pas. Vous la connaissez, vous, la raison de notre défaite Je le crois, dit Mérus sans se départir de son calme. Trahison. Il avait prononcé le mot à voix basse, et ceux qui suivirent furent proférés sur le même ton. Vous saviez qu'il y avait eu trahison. Et vous êtes demeuré quoi vous avez servi l'imbécile qui fut avant moi premier citoyen, et vous vous préparez à servir le rat pesteux qui prendra ma succession. Si je trouve la preuve de votre félonie, je vous arracherai les entrailles, et je les ferai brûler sous vos propres yeux. Mérus demeura impassible. J'ai tenté, non pas une fois, mais à maintes reprises, de vous faire partager mes doutes. J'ai hurlé mes avertissements à vos oreilles, mais vous avez préféré suivre les conseils des autres, parce qu'ils flattaient davantage votre vanité. Les événements ont dépassé mes craintes et de fort loin. S'il ne vous plaît pas de m'écouter à présent, monsieur, veuillez me le dire, et je m'effacerai. Le moment venu, je traiterai avec votre successeur, dont le premier acte sera, je n'en doute pas, de signer la paix. » Stettin le fixait de ses yeux injectés de sang, serrant et desserrant lentement ses énormes poings. « Eh bien, parle donc, ville limace grise Parle, je te l'ordonne !»« Je vous ai souvent répété, monsieur, que vous n'étiez pas le mulet. » Vous pouvez diriger des vaisseaux et des canaux, mais pas l'esprit de vos sujets. Savez-vous, monsieur, quel est l'ennemi que vous combattez C'est à la Fondation que vous vous attaquez, cette Fondation qui n'a jamais été vaincue, qui est protégée par le plan Seldon, et qui est destinée un jour à fonder un nouvel empire. Il n'y a plus de plan. C'est fini C'est Meun qui l'a dit Alors c'est que Meun se trompe. Et même à supposer qu'il ait raison. Vous et moi, monsieur, nous ne sommes pas le peuple. Les hommes et les femmes de Kalgan, comme les populations satellites, professent une foi profonde dans le plan Seldon, de même que tous ceux qui habitent cette région de la galaxie. Quatre cents ans d'histoire, à quelques années près, nous ont appris que la Fondation ne peut pas être battue. Ni les royaumes, ni les seigneurs de la guerre, ni le vieil empire galactique lui-même ne sont parvenus à la vaincre. Le mulet, si. Exactement. Parce qu'il échappait au calcul, ce qui n'est pas votre cas. Et il y a pire. Les gens ne l'ignorent pas. Aussi lorsque vos vaisseaux vont à la bataille craignent ils que la défaite ne leur soit infligée par quelque voie mystérieuse? La toile immatérielle du plan au dessus de leur tête plane et les rend timides, si bien qu'au moment de l'attaque ils réfléchissent un peu trop longtemps. Dans le camp adverse au contraire, ce même tissu impondérable remplit l'ennemi de confiance, chasse la crainte, maintient le moral lors des premières défaites. Pourquoi pas? La Fondation a toujours subi des revers au cours des premières escarmouches, mais elle a toujours fini par remporter la victoire. Que dire de votre propre morale, monsieur? Vous occupez partout des territoires ennemis, vos propres dominions sont intacts, ils ne sont pas même en danger d'être envahis, et pourtant vous vous sentez vaincu. Vous ne croyez même pas à la moindre possibilité de victoire car vous savez parfaitement qu'il n'en existe pas. Inclinez-vous dans ce cas si vous ne voulez pas être contraint par la force de vous agenouiller. Pliez volontairement et vous aurez quelque chance de sauver les restes. Vous vous êtes appuyé sur le métal et la puissance, et ils vous ont accordé un soutien à leur mesure. Vous n'avez pas tenu compte de l'esprit et du moral, et ils vous ont trahi. Maintenant, suivez mon conseil. Omir Mun, cet homme de la Fondation, est entre vos mains. Libérez-le. Renvoyez-le sur Terminus avec des propositions de paix. Les lèvres blêmes et pincées, Stettin grinçait des dents. Mais avait-il encore le choix? Au huitième jour de la nouvelle année, Omir quitta à nouveau Kalgan. Plus de six mois s'étaient écoulés depuis qu'il avait quitté Terminus. Et durant cet intervalle, une guerre s'était déchaînée, puis apaisée. Il était venu seul, mais il repartait sous escorte. Il était venu en simple particulier, il repartait en qualité d'ambassadeur, officieux sans doute, mais revêtu néanmoins de plein pouvoir. Et ce qui avait le plus changé en lui, c'était son ancienne inquiétude au sujet de la seconde fondation. Il riait, rien que d'y penser. Et il se représentait déjà, avec un luxe de détails, le spectacle de la révélation qu'il allait faire au docteur Darel, à ce jeune entor si compétent et si énergique, à tous, car il savait, lui, Omirman, qu'il avait finalement découvert la vérité. Chapitre 20 Je sais Les deux derniers mois de la guerre calganienne s'écoulèrent rapidement pour Omir. Dans son rôle de médiateur extraordinaire, il était devenu le centre des affaires interstellaires, fonction qu'il ne pouvait s'empêcher de trouver des plus plaisantes. Au cours de cette période, n'eut lieu aucune bataille importante, tout au plus quelques escarmouches dues à des rencontres accidentelles de patrouilles. On forgea donc les termes du traité, avec fort peu de concessions de la part de la Fondation, qui n'en voyait pas la nécessité. Stettin conserva son poste, mais guère autre chose. Sa flotte fut démantelée, ses possessions extérieures rendues à leur autonomie, et un plébiscite fut organisé, qui donnait aux électeurs le choix entre un retour au statut précédent, la pleine indépendance ou la confédération dans le sein de la Fondation. Le document scellant officiellement la fin de la guerre fut signé sur un astéroïde appartenant au système stellaire de Terminus, dans le site de la plus ancienne base navale de la Fondation. Lève Merus y fit office de mandataire de Kalgan, et Omir y tint le rôle de spectateur intéressé. Pendant toute cette période, il ne vit pas le docteur Darrell, ni aucun des autres, mais cela n'avait guère d'importance. La nouvelle qu'il avait à leur apprendre attendrait. Comme toujours, cette pensée amena un sourire sur ses lèvres. Le docteur Darrell rentra sur Terminus quelques semaines après le jour de la victoire, JV 62 377, et le même soir, sa maison servit de lieu de réunion aux cinq hommes qui, dix mois plus tôt, avaient échafaudé leur premier plan. Le dîner s'écoula, puis vint le moment du dessert et il semblait toujours hésiter à aborder le sujet de leurs anciennes préoccupations. Ce fut Joel Turbor, un œil fixé sur les profondeurs pourpres de son verre de vin, qui dit dans un murmure ⁇ Eh bien, Omir, vous voici devenu un homme d'affaires. Vous vous êtes fort bien tiré de votre mission. ⁇ Moi ?⁇ Mun éclata d'un rire sonore et joyeux. Pour une raison inconnue, il n'avait pas bégayé depuis des mois. Je n'ai vraiment rien à voir dans tout ça, vous savez. C'est Arcadia qui a tout fait. À propos, Darrell, comment va-t-elle Je me suis laissé dire qu'elle allait bientôt rentrer de Trantor. On vous aura bien informé, répondit Darrell de sa voix tranquille. Son vaisseau devrait se poser avant la fin de la semaine. Il considéra ses hôtes avec des yeux voilés. Mais il ne recueillit que des exclamations de plaisir confuses et amorphes, rien de plus. Alors, c'est vraiment fini, dit turbord Qui aurait prédit cela au printemps dernier Mun est allé sur Kalgan et on est revenu. Arcadia a séjourné sur Calgan et Trentor et va rentrer d'un instant à l'autre. Nous avons eu la guerre, et par l'espace. Nous l'avons gagné. On nous dit qu'on peut prévoir les grandes lignes de l'histoire et pourtant, il ne semble pas concevable que toute cette aventure, avec tout ce qu'elle a pu entraîner de confusion pour ceux d'entre nous qui l'ont vécue, aurait pu être prédite dans le détail. C'est absurde, dit Antor d'une voix acide. Et d'abord, de quoi êtes-vous donc si fier Vous parlez comme si nous avions vraiment gagné une guerre. Alors qu'il s'agit d'une escarmouche mesquine qui n'a eu d'autre effet que de détourner notre esprit de notre ennemi véritable. Suivit un silence gêné, au milieu duquel le léger sourire de Homir Munn jetait seul une note discordante. Antor frappa le bras de son fauteuil d'un point rageur. Parfaitement C'est bien à la seconde fondation que je fais allusion. Tout le monde ici se garde bien d'en parler. Et si je ne me trompe, vous faites même tout votre possible pour éviter d'y penser. Est-ce parce que cette fallacieuse atmosphère de victoire qui obnubile ce monde de crétins est à ce point contagieuse que vous vous sentez obligé d'y participer Eh bien, ne vous gênez pas. Sautez au plafond. Faites les pieds au mur. Donnez-vous donc des grandes claques dans le dos. Lancez des confettis par la fenêtre pendant que vous y êtes. Surtout ne vous gênez pas. Après, peut-être que nous pourrons reprendre la discussion où nous l'avons laissée il y a dix mois. Car le problème n'est pas moins présent aujourd'hui que lorsque vous étiez assis autour de cette table, en train de jeter des regards apeurés par-dessus vos épaules, dans la crainte de je ne sais quel danger. Vous imaginez-vous réellement que les maîtres psychiques de la seconde fondation sont moins redoutables aujourd'hui, parce que vous avez administré sa raclée à un pauvre ahuri qui a commis l'imprudence de faire joujou avec sa flotte de guerre Il s'interrompit, haletant, le visage cramoisi. Me permettez-vous de placer un mot en tort, demanda Mun d'une voix calme. Ou préférez vous continuer à jouer les conspirateurs grandiloquents? Je vous en prie, Omir, répondit Darel, mais pour l'amour de l'espace, abstenons nous d'abuser d'expressions hyperboliques. Elles sont appropriées en certaines circonstances. Mais pour l'instant elles m'assomment. Omir Munn se renversa dans son fauteuil, et prit le temps de remplir son verre à la carafe qui se trouvait à portée de sa main. J'ai été envoyé sur Kalgan, dit il, pour extraire le maximum de renseignements des archives contenues dans le palais du mulet. J'ai consacré plusieurs mois à cette tâche, et je n'en tire aucune vanité. Comme je vous l'ai déjà indiqué, c'est à l'ingénieuse intervention d'Arcadia, que je dois d'avoir pu y pénétrer. Le fait n'en demeure pas moins qu'à mes connaissances originelles concernant la vie et l'époque du mulet, qui vous voudrez bien me l'accorder n'était pas négligeable, j'ai pu ajouter le fruit d'un long labeur sur une documentation de première main à laquelle nul autre n'a eu accès. Je me trouve en conséquence mieux placé que quiconque pour estimer à sa juste valeur le danger que présente la seconde fondation, et infiniment plus documenté sur la question que peut l'être notre jeune et irascible ami ici présent. Eh bien, grinça Antor, donnez-nous une estimation de ce danger. C'est simple. Il est nul. Un court silence, puis Helvet Semik demanda avec une expression de surprise incrédule Comment cela Vous voulez dire qu'il n'y a pas de danger Mais oui, mes amis, la seconde fondation n'existe pas. Antor referma lentement les paupières et demeura assis, le visage pâle et inexpressif. Men poursuivit conscient de l'attention générale et la savourant. Et qui plus est, elle n'a jamais existé. « Sur quoi basez-vous cette conclusion surprenante ?» qui Darrel. « Je ne nie pas qu'elle soit surprenante, » répondit Munn. « Vous connaissez tous l'histoire de la quête du mulet qui s'était mis en tête de découvrir la seconde fondation. Mais... Que savez-vous de l'ardeur, de l'obstination qu'il a déployée au cours de ses recherches Il disposait de ressources gigantesques qu'il a utilisées avec la plus extrême libéralité. C'était l'homme d'un seul objectif. Et pourtant, il a échoué. Il n'a jamais trouvé la seconde fondation. Il pouvait difficilement s'attendre à ce que quelqu'un la trouve fit remarquer Turbor, visiblement agité. Elle possédait les moyens de se protéger contre les esprits trop curieux. Même si l'esprit en question est celui d'un mutant? D'un prodige mental comme le mulet? Je ne pense pas. Mais vous n'attendez pas de moi, je l'espère, que je vous donne en cinq minutes la substance de cinquante volumes. Tous ces travaux selon les termes du traité de paix, feront bientôt partie du musée historique de Seldon, et vous aurez tout le loisir de procéder à une analyse aussi approfondie que celle à laquelle je me suis livré. Vous y trouverez la conclusion exprimée sans embâge. Il n'y a pas, il n'y a jamais eu de seconde fondation. Sémic s'interposa. Dans ce cas, dites-nous ce qui a donné un coup d'arrêt aux activités expansionnistes du mulet. Par la galaxie, qu'est-ce que vous voulez que ce soit Il est mort Voilà ce qu'il a arrêté C'est d'ailleurs ce qui nous attend, tous autant que nous sommes. Une légende particulièrement tenace, la plus répandue en tout cas, veut que le mulet ait été arrêté dans sa carrière foudroyante de conquérant par de mystérieuses entités douées de pouvoirs supérieurs aux siens. C'est toujours ce qui arrive lorsqu'on ne regarde pas les choses sous le bon angle. Nul dans la galaxie ne peut certainement ignorer que le mulet était un monstre autant sur le plan physique que mental. Il est mort vers la trentaine, parce que son corps mal conformé ne pouvait plus assurer le fonctionnement d'une machinerie prématurément usée. Plusieurs années avant sa mort, il était déjà impotent. Au mieux de sa santé, il ne pouvait rivaliser avec le plus faible des hommes. C'est entendu, il a conquis la galaxie et, conformément aux lois de la nature, il s'est éteint. C'est merveille qu'il ait résisté tant de temps et accompli tant de choses. Mes amis, la conclusion est on ne peut plus clair. Il vous suffira de prendre patience. Essayez d'examiner les faits sous un angle nouveau. Soit. Essayons, Men. dit Darel qui semblait déjà perdu dans ses pensées. Ce sera une tentative intéressante à défaut d'autre chose. Au pire, cela nous dégrippera un peu les ménages. Ces hommes dont l'esprit a été manipulé et dont Antor nous a apporté les schémas physiques il y aura bientôt un an, qu'en faites-vous Allez-y. Montrez-les-nous donc sous un angle nouveau. Rien de plus facile? À combien de temps remonte l'encéphalographie analytique en tant que science constituée? En d'autres termes, à quel stade se trouve l'étude des cheminements neuroniques? D'accord. répondit Darrell. Nous n'en sommes encore qu'au premier balbutiement. Très bien. Quelle certitude possédons-nous quant à l'interprétation de ce que j'ai entendu en tort et vous-même appeler le palier des manipulés? Vous avez échafaudé des hypothèses, mais que possédez-vous en fait de certitude? Ces hypothèses constituent-elles une base suffisamment ferme pour qu'on puisse en déduire l'existence d'une puissante force dont tous les autres indices démentent l'existence? Il est toujours facile d'expliquer ce que l'on ne connaît pas en faisant intervenir une volonté surhumaine autant qu'arbitraire. C'est très humain finalement. Tout au long de l'histoire de la galaxie, on a pu observer des cas où des systèmes planétaires isolés sont retournés à la barbarie. Et qu'avons-nous constaté alors Immanquablement, ces primitifs attribuent les forces de la nature qui leur demeurent incompréhensibles tempêtes, épidémies, sécheresses, à des êtres animés plus puissants que les hommes et dotés d'un pouvoir discrétionnaire. On nomme cette tendance l'anthropomorphisme, je crois. De ce point de vue, nous ne nous conduisons pas mieux que ces sauvages. Pis encore, nous nous complaisons dans cet état. Connaissant peu de choses aux sciences psychiques, dès que quelque chose nous échappe, nous accusons les surhommes. Ceux de la seconde fondation, en l'occurrence, en nous fondant sur les bribes d'informations que nous a laissées Seldon. Ah, tout de même. Vous vous souvenez de Seldon interrompit Antor. Je pensais que vous l'aviez oublié. Seldon a dit qu'il existait une seconde fondation. Il l'a dit. Et ça, sous quel angle est-ce que vous le voyez Prétendriez-vous connaître toutes les intentions de Seldon Connaissez-vous tous les facteurs que la nécessité l'a contraint d'introduire dans ses calculs La seconde fondation a peut-être joué le rôle d'un épouvantail nécessaire en vue d'un objectif hautement spécifique Comment avons-nous battu Calgan, par exemple Que disiez-vous dans votre dernière série d'articles, Turbor Turbor remua son corps massif. Oui, je vois à quoi vous faites allusion. Je me trouvais sur Calgan vers la fin des hostilités d'Arel. Et il était facile de constater que le moral de la planète était extrêmement bas. J'ai feuilleté leurs archives de presse et j'ai vu qu'ils s'attendaient à être battus. En fait, ils ont été complètement paralysés par la croyance que la seconde fondation interviendrait en faveur de la première, bien entendu. Tout à fait exact, dit Munn. J'y suis demeuré pendant toute la durée de la guerre. J'ai déclaré à Stettin qu'il n'existait pas de seconde fondation, et il m'a cru. Lui, il se sentait en sécurité. Mais il ne possédait aucun moyen d'obliger les gens à renoncer subitement à une croyance à laquelle ils étaient demeurés attachés pendant toute leur existence. Si bien que ce mythe a bien rempli son office dans la partie d'échec cosmique de Seldon. Antor ouvrit soudainement les yeux et fixa sur le visage de Men un regard sardonique. J'affirme que vous mentez. Omir devint livide. Je ne vois pas. La nécessité de supporter, et encore moins, de répondre à une accusation de cette nature. Je le dis sans la moindre intention de vous offenser personnellement. Vous ne pouvez faire autrement que de mentir, puisque vous ne vous en rendez même pas compte. Mais vous n'en mentez pas moins. Sémic posa sa main ridée sur la manche du jeune homme. Du calme, jeune homme. Antor le repoussa sans aménité. Vous mettez ma patience à rude épreuve. Tout ce temps que vous êtes, je n'ai pas vu cet homme plus d'une douzaine de fois dans ma vie, et pourtant je le trouve incroyablement changé. Vous le connaissez depuis des années, et néanmoins vous n'avez rien remarqué. Il y a de quoi vous rendre fou. Vous prétendez que cet homme que vous écoutez depuis tout à l'heure s'appelle Mun Moi, ce n'est pas le Omir Mun que j'ai connu. Mouvement divers, tumulte par-dessus lequel. On entendit la voix de Meun qui criait. Vous me traitez d'imposteur Peut-être pas dans le sens ordinaire, hurla en tort au-dessus du vacarme, mais un imposteur néanmoins. Silence, taisez-vous J'exige qu'on m'écoute. Il les fusillait du regard, et il finit par obtenir le silence. Est-ce que nous nous rappelons bien le même Omir Meun Moi j'ai le souvenir d'un bibliothécaire timide. Qui avait toujours l'air gêné de devoir prendre la parole en public, un homme nerveux, tendu, qui bégayait et n'arrivait jamais à finir ses phrases. Dites-moi franchement, vous trouvez que cet homme-là lui ressemble Lui, il parle sans arrêt, il est plein d'assurance, il a des théories à revendre, et par l'espace, il ne bégayait pas. Vous pensez que c'est vraiment la même personne Meun lui-même parut confus, et Pelleas en tort poursuivit Eh bien, allons-nous le mettre à l'épreuve Comment sans qui C'est vous qui me demandez comment La méthode est évidente. Vous possédez ces enregistrements céphalographiques d'il y a dix mois, n'est-ce pas Soumettez-le à un nouvel examen et nous comparerons. Il braqua son index sur le bibliothécaire qui s'était rembruni et dit avec violence Qu'il ose seulement refuser Je n'y vois pas d'inconvénient. Répondit Munn sur un ton de défi. Je suis l'homme que j'ai toujours été. Comment pourriez-vous le savoir demanda Antor avec dédain. J'irai plus loin. Je ne me fie à aucun membre de l'Assistance. Je demande que chacun se soumette à une nouvelle analyse. Une guerre vient de finir. Munn a séjourné sur Kalgan. Turbor a parcouru toutes les zones de guerre à bord d'un vaisseau. Darrell et ses mics ont été absents également. Où ont-ils été Je n'en ai pas la moindre idée. Et pour jouer le jeu, je me soumettrai également à l'examen. Sommes-nous d'accord Ou devrons-nous nous séparer et poursuivre notre route chacun de notre côté Turbor haussa les épaules. « Aucune objection. » Moi non plus. Je l'ai déjà dit, rappela Men. Sans dire un mot, Sémic leva la main en signe d'assentiment. Et Antor attendit la réaction de Darrell. Finalement, celui-ci hocha la tête. Examinez-moi le premier, dit Antor. Les aiguilles traçaient leur délicat serpentin sur le papier quadrillé. Et le jeune neurologue était étendu, immobile sur la couchette, les yeux fermés, plongé dans une obscure méditation. Darrell tira du classeur le dossier contenant l'ancien enregistrement encéphalographique et le montra à Antor. C'est bien votre schéma? Oui. Oui, c'est bien lui. Faites la comparaison. Sur l'écran, apparurent l'ancien et le nouvel encéphalogramme les six courbes des différents enregistrements se trouvaient réunies et dans l'obscurité la voix de meun retentit avec une brutale netteté eh bien regardez ici j'aperçois un changement ce sont là des ondes primaires issues du lobe frontal ces oscillations supplémentaires n'ont aucune signification et traduisent simplement la colère ce sont les autres qui comptent il actionna un bouton et les six paires coïncidèrent les unes avec les autres. Seule l'amplitude plus grande des primaires provoqua un dédoublement. Satisfait demanda Antor. Darrell inclina brièvement la tête et s'étendit lui-même sur le siège. Puis, ce fut le tour de Sémic, suivi par Turbor. Les diagrammes furent recueillis dans le silence, puis comparés. Mun fut le dernier à prendre place. Il hésita une fraction de seconde, puis, avec une note de désespoir dans la voix, il dit ⁇ Il faudra tenir compte du fait que je passe le dernier et que j'éprouve un certain énervement ⁇ Nous en tiendrons compte, lui assura Darel. Vos émotions conscientes ne peuvent affecter que les primaires, et elles ne présentent pas d'importance. Des minutes s'écoulèrent qui parurent des heures, dans un silence total. Puis, lorsque vint le moment de faire la comparaison dans l'obscurité, Antor dit d'une voix rauque Bien sûr, bien sûr, ce n'est là que le début d'un complexe. N'est-ce pas ce qu'il nous avait dit Rien qui ressemble à une manipulation à proprement parler. Ça, c'est de l'anthropomorphisme primaire. Mais regardez. Une coïncidence, j'imagine. Qu'est-ce qui se passe Glapi men. la main de darrell se posa sur l'épaule du bibliothécaire du calme men votre esprit a été manipulé ils vous ont reconditionné puis la lumière revint men regardait autour de lui il avait l'air d'un homme brisé il faisait un effort lamentable pour sourire non vous n'êtes pas sérieux. Vous avez une idée derrière la tête. Vous voulez me faire marcher. C'est un test. Mais Darrell se contenta de secouer la tête. Non. Non, Amir, c'est la vérité. Les yeux du bibliothécaire furent soudain remplis de larmes. Je ne me sens pas différent. Absolument pas. Je n'arrive pas à y croire. Puis, avec une conviction soudaine, il s'écria Vous êtes tous contre moi C'est une conspiration Darel tenta un geste de consolation, mais sa main fut brutalement repoussée. Vous voulez me tuer par l'espace, c'est ça Vous voulez me tuer D'un bond, Antor fut sur lui. On entendit un craquement sec, et Omir s'effondra comme une poupée de chiffon, une expression de terreur encore figée sur son visage. Antor se leva, encore tremblant, et dit Il vaudrait peut-être mieux le ligoter et le bâillonner. Plus tard, nous déciderons de ce qu'il convient de faire. Et il repoussa ses longs cheveux en arrière. Comment avez vous deviné qu'il n'était plus dans son état normal? demanda Turbor. Antor se tourna vers lui avec une expression sardonique. Ce n'était guère difficile. Je sais où se trouve réellement la seconde fondation. Des chocs successifs provoquent toujours des effets décroissants, c'est un phénomène bien connu. Aussi, est ce sans passion aucune que Sémic demanda En êtes vous certain? C'est-à-dire que nous venons de faire la même expérience avec Munn. Ce n'est pas du tout la même chose. Riposta en tort. Le premier jour de la guerre, Darrell, je vous ai parlé très sérieusement. J'ai tenté de vous convaincre de quitter Terminus. Je vous aurais dit à ce moment ce que je vous dis maintenant si j'avais pu vous faire confiance. Vous voulez dire que cela fait six mois que vous connaissez la réponse? demanda Darrell avec un sourire. Je la connais depuis le moment où j'ai appris qu'Arcadia était partie pour Trantor. Darel se leva, soudain consterné. Que vient faire Arcadia dans cette affaire Qu'insinuez-vous Absolument rien. Les événements parlent d'eux-mêmes. Et vous les connaissez comme moi. Arcadia se rend sur Kalgan. Et, prise de panique, se réfugie dans le centre historique de la galaxie plutôt que de rentrer chez elle. Le lieutenant d'Irig notre meilleur agent sur Kalgan est manipulé. Omirman fait un séjour sur Kalgan et se retrouve à son tour sous influence mentale. Le mulet a conquis la galaxie, mais chose étrange, il a choisi Kalgan pour en faire son quartier général. Alors je me pose la question. Était-il un conquérant ou un simple instrument? Quoi que nous fassions, nous retombons toujours sur Kalgan. Kalgan, encore et toujours Kalgan, le monde qui a trouvé le moyen de sortir indemne de tous les conflits qui ont opposé les seigneurs de la guerre pendant plus d'un siècle. Et quelle est votre conclusion C'est pourtant évident, dit Antor, avec dans les yeux l'expression d'une conviction profonde. La seconde fondation se trouve sur Kalgan. Je suis allé sur Calgan, en tort. Interrompit Turbot. J'y étais encore pas plus tard que la semaine dernière. S'il s'y trouve la moindre trace de la seconde fondation, alors moi je suis foyer. Personnellement, je crois plutôt que c'est vous qui êtes fou. Le jeune homme se tourna alors vers lui d'un bloc, furieux. Dans ce cas, vous n'êtes qu'un gros imbécile. À quoi est-ce que ça ressemble pour vous la seconde fondation à une école Vous vous attendiez à ce qu'ils vous balisent le chemin dans l'espace à coups de chants rayonnants Seconde fondation, écrit en gros, en vert et pourpre Écoutez-moi bien, Turbor. Où qu'ils se trouvent en réalité, ces gens-là forment une oligarchie fermée. Ils doivent se cacher avec autant de soins sur le monde où ils ont établi leur résidence qu'ils en ont pris à dissimuler ce monde aux yeux du reste de la galaxie. Turbor sentit les muscles de sa mâchoire se contracter spasmodiquement. Je trouve votre attitude déplaisante, tort. Croyez que j'en suis désolé, répondit l'autre caustique. Mais regardez donc un peu autour de vous. Ici, sur Terminus, nous nous trouvons au centre, au cœur même, à l'origine de la première fondation. L'ensemble des connaissances de l'univers en matière de physique sont aujourd'hui rassemblées sur cette planète. Eh bien, combien croyez-vous qu'il y ait de physiciens Vous, par exemple, seriez-vous capable de faire fonctionner une station de transmission d'énergie Connaissez-vous quelque chose au principe du moteur hyperatomique La population de Terminus compte actuellement moins d'un pour cent de scientifiques, d'hommes de science dignes de ce nom. Oui Terminus Que dire alors de la seconde fondation où il importe avant tout de préserver le secret. Le nombre des initiés doit forcément y être encore plus réduit. Leur propre planète doit ignorer jusqu'à leur existence. Pourtant Kalgan vient de se faire écraser en beauté. risqua Sémique. Sans doute, sans doute, répondit Antor à Serbe. À ça, on peut dire que. Nous la célébrons cette victoire. Les villes sont encore toutes illuminées. On tire même encore des feux d'artifice. On ne parle toujours que de ça à Latridie. Mais justement, maintenant que nous voilà à nouveau au pied du mur, maintenant que la question se pose à nouveau de savoir où peut bien se trouver l'emplacement de la seconde fondation, quel est le dernier endroit qu'il nous viendrait à l'idée Nous, ou n'importe qui d'autre, de soupçonner Vous avez trouvé. C'est Kalgan. Nous ne leur avons pas fait grand mal, vous savez. Pas vraiment, en tout cas. Nous avons détruit quelques vaisseaux, tué quelques milliers de personnes, démembré leur empire, nous avons fait main basse sur une partie de leur puissance économique et commerciale, mais tout cela ne signifie rien. La classe dirigeante ne s'emporte pas plus mal, je serais prêt à le parier. Bien au contraire, ils se croient maintenant bien à l'abri de notre curiosité. Enfin, de la vôtre, peut-être. Mais pas de la mienne, en tout cas. Darrell, qu'est-ce que vous en dites? Darrell haussa les épaules. Intéressant. En fait, j'ai reçu un message d'Arcadia il y a quelques mois. Je me demande si ça pourrait cadrer avec votre théorie. Ah oui? Un message? interrogea Antor. Et qu'est-ce qu'il disait, ce message? Je n'en suis pas très sûr, en fait. Juste sept petits mots. Mais c'est intéressant. Écoutez, dit Sémic, avec un intérêt où transparaissait l'inquiétude. Il y a quelque chose que moi je ne comprends pas. Quoi donc? Sémic s'exprima alors avec précaution. À chaque mot qu'il laissait échapper après mûre réflexion, sa lèvre supérieure parcheminée se soulevait comme à regret. Omir Mun disait il y a un instant que Harry Seldon avait lancé tout le monde sur une fausse piste en prétendant qu'il avait créé une seconde fondation quelque part. Et voilà que vous affirmez le contraire. Vous dites maintenant que Seldon parlait sérieusement Alors C'est exact. Il ne mentait pas. Seldon a déclaré qu'il avait mis en place une autre fondation, et c'est bien ce qu'il a fait, admettons. Mais il a dit encore autre chose. Il a déclaré que l'autre fondation se situait à l'autre bout de la galaxie. Maintenant, dites-moi, jeune homme, s'agit-il encore d'une fausse piste Kalgan n'est pas à l'autre bout de la galaxie, que je sache. Entor parut embarrassé. C'est un détail ça. Peut-être qu'en disant cela, il a tout simplement cherché à brouiller les pistes pour mieux protéger l'autre fondation. Si on y réfléchit, à quoi bon aller installer les maîtres psychiques à l'autre bout de la galaxie Quelle est leur raison d'être Ils sont censés contribuer à préserver le plan. Or, qui détient les cartes maîtresses du plan Qui le met en pratique au jour le jour Nous, les gens de la première fondation. Où seraient-ils le mieux placés pour observer et favoriser au mieux leur propre dessin À l'autre bout de la galaxie, c'est ridicule, voyons. Il est infiniment plus logique de penser qu'ils sont tout proches de nous, au contraire. En tout cas, à une distance beaucoup plus raisonnable. Oui. Ça me plaît assez comme argument. Dit Darel. ça se tient finalement. Oh, à propos, ça fait un petit moment que Mun a repris ses esprits. Si on le libérait, il ne risque pas de nous faire du mal de toute façon. Antor ne semblait pas d'accord, mais Omir se mit à hocher vigoureusement la tête. Cinq secondes plus tard, il se frictionnait les poignets non moins vigoureusement comment vous sentez-vous sans darel pas bien du tout si vous voulez le savoir dit d'un ton boudeur mais peu importe si ce n'est pas trop vous demander je voudrais poser une question à notre petit prodige là maintenant qu'il a fini son exposé qu'est-ce qu'on fait maintenant un silence inattendu retomba instantanément sur l'assemblée. Munn eut un sourire amer. Supposons que Kalgan soit effectivement la seconde fondation, dit-il. Encore faut-il savoir de qui précisément il s'agit. Comment ferons-nous pour découvrir les responsables Et quand bien même vous y arriveriez, comment comptez-vous vous y prendre pour les attaquer Et justement, dit Darrell. Si bizarre que cela puisse paraître, il se trouve que je peux répondre à votre question, Antor. Vous voulez savoir ce que Sémic et moi avons fait au cours des dix derniers mois Vous verrez que j'avais finalement de bonnes raisons de vouloir rester sur Terminus pendant tout ce temps. Et tout d'abord, continua-t-il, j'ai étudié l'analyse encéphalographique avec bien plus de détermination qu'aucun de vous ne pourrait l'imaginer. Tenter de détecter la présence des cerveaux de la seconde fondation est une opération autrement plus subtile que de se contenter de mettre en évidence un simple palier de manipulation. Et si je n'ai pas tout à fait atteint mon objectif, je m'en suis fortement rapproché. Y a t-il ici quelqu'un qui ait la moindre idée de la façon dont on s'y prend pour arriver à contrôler les émotions d'autrui. Depuis l'époque du mulet, le sujet a été abondamment traité par les écrivains. On n'a pas manqué d'écrire et de dire tout et n'importe quoi sur la question. La plupart du temps, on se contente de suggérer qu'il s'agit d'une opération mystérieuse et occulte. Bien entendu, il n'en est rien. Chacun sait que le cerveau est la source d'une myriade de champs électromagnétiques infinitésimaux. Chacun sait également, ou en tout cas devrait savoir, que la moindre émotion, si fugitive soit-elle, fait varier ses champs électromagnétiques de façon plus ou moins complexe. Il est donc tout à fait possible d'imaginer qu'un cerveau soit susceptible de détecter ces variations de champs, et même d'entrer en résonance avec elles. En d'autres termes, on peut concevoir qu'il existe dans le cerveau un organe spécifique Susceptible d'adopter à la demande la configuration magnétique présentée par un ensemble de champs donnés qu'il aura été amené à détecter. Par quel processus arriverait-il à ce résultat, je n'en ai pas la moindre idée, mais peu importe, à vrai dire. Ce qui compte, c'est le principe. Admettons que je sois aveugle, par exemple. Cela ne m'empêcherait pas pour autant d'apprendre ce que c'est qu'un photon ou un quantum d'énergie. Et cela ne m'empêcherait pas davantage de comprendre que l'absorption d'un photon doté d'une énergie donnée puisse provoquer, dans l'organe de la vision, des modifications chimiques telles que sa présence en deviendrait détectable. Mais bien entendu, cela ne me permettrait pas pour autant de comprendre ce que c'est que la couleur. Tout le monde suit pour l'instant Hochement de tête énergique chez Antor, dubitatif chez les autres. En supposant qu'il existe, cet organe de résonance mentale pourrait permettre, en s'ajustant aux champs émis par d'autres cerveaux, de lire dans les émotions des gens, comme on dit, ou même de lire dans les pensées d'autrui, ce qui est en réalité quelque chose d'encore plus subtil. De là, il n'y a qu'un pas à concevoir un organe similaire qui serait capable d'imposer un ajustement donné sur un autre cerveau. Grâce à son champ plus puissant, il pourrait orienter le champ plus faible d'un autre cerveau, à la façon dont un aimant puissant oriente les dipôles atomiques dans une barre d'acier et lui confère une aimantation permanente. J'ai résolu le problème mathématique posé par les initiés de la seconde fondation. En ce sens que, j'ai dégagé une fonction laissant prévoir la combinaison nécessaire de processus neuroniques qui permettrait la formation d'un organe tel que je viens de le décrire. Malheureusement, la fonction en question est trop complexe pour qu'on puisse la résoudre au moyen des outils mathématiques dont nous disposons actuellement. C'est dommage. Parce que cela signifie que je ne pourrais jamais détecter un manipulateur mental par son seul schéma encéphalographique. Mais je pourrais faire autre chose en fait. Je pourrais, avec l'aide de ces construire ce que j'appellerais un appareil psychostatique. La science moderne est capable de créer une source d'énergie qui constituera la réplique du schéma type du champ électromagnétique encéphalographique. De plus, on peut s'arranger pour le faire osciller complètement au hasard, et créer, par rapport à la faculté mentale en question, une sorte de brouillage, de brouillard de parasites, qui empêcherait désormais cette faculté mentale de s'exercer aux dépens des cerveaux avec lesquels elle pourrait être en contact. Vous me suivez toujours Sémic gloussa. Il avait participé en aveugle à cette création, mais il avait deviné et deviné juste. Le vieux bonhomme n'avait pas encore dit son dernier mot. Je crois, dit Antor. L'appareil, continua Darrel, est assez facile à fabriquer. Et comme les dépenses étaient imputées au chapitre recherche de guerre, je disposais de toutes les ressources de la Fondation. Ce qui fait que désormais les bureaux du maire et les assemblées législatives sont entourés de brouilleurs psychostatiques, autrement dit de stations de brouillage cérébral. Il en est de même pour nos industries clés. À terme, nous pourrons protéger n'importe laquelle de nos installations contre les emprises de la seconde fondation ou d'un second mulet. Et voilà. Disant cela, Très simplement, il tendit la paume de la main bien à plat. Turbor semblait assommé. « Alors c'est fini. Par tout est fini. »« Non, pas tout à fait, » dit Darrell. Comment ça, pas tout à fait Qu'est-ce qu'il y a encore ?»« Eh bien, oui. Nous n'avons toujours pas découvert l'emplacement de la seconde fondation. Comment rugit Antor, vous prétendez ⁇ je l'affirme ⁇ Kalgan n'est pas la seconde fondation. Qu'est-ce que vous en savez ?⁇ Facile, grommela Darel. Il se trouve que je sais où se trouve réellement la seconde fondation. Chapitre XXI Une réponse satisfaisante Soudain, Turbor éclata d'un rire franc et massif, qui se répercuta à travers toute la salle. Au bord de l'étouffement, il finit par s'arrêter et secoua faiblement la tête. Par la galaxie Ça peut durer toute la nuit, votre histoire. Un vrai jeu de massacre Ah Pour s'amuser on s'amuse. Mais tout cela ne nous mène nulle part. Par l'espace, qui vous dit que toutes les planètes n'appartiennent pas à la seconde fondation Peut-être qu'ils n'ont pas qu'une seule planète, mais qu'ils ont disséminé judicieusement quelques hommes de confiance à travers toute la galaxie. Et quelle importance finalement, puisque Darrell nous affirme qu'il a trouvé la parade idéale Darrell eut un sourire sans gaieté. La parade idéale ne suffit pas à Turbor. D'abord mon brouilleur psychostatique est loin d'être parfait, et même s'il l'était, nous n'en serions guère plus avancés. Nous n'allons pas pouvoir rester comme ça éternellement sur le qui vive, à attendre un ennemi inconnu. Savoir comment remporter la victoire est une chose, encore faut il savoir qui nous devons terrasser. Or l'ennemi a établi sa résidence sur un monde bien précis. Cela nous le savons. Venez-en au fait, dit Antor d'un ton las En quoi consistent vos renseignements Arcadia m'a fait parvenir un message. J'étais aveugle jusque-là. Maintenant je m'en rends compte. Ce message m'a littéralement ouvert les yeux. Sans cela, je serais certainement passé à côté de tout. Pourtant, c'était un message d'une simplicité imparable. Un cercle, ça n'a pas de bout. Alors, ça vous dit quelque chose Non, dit Antor, buté. Et il parlait évidemment pour tout le monde. Un cercle, ça n'a pas de bout, répéta Munn perdu dans ses pensées, le front barré de rides. Eh bien, dit Darrell, qui visiblement s'impatientait. Pour moi, c'était parfaitement clair. Quel est le seul fait absolument certain que nous connaissions sur la seconde fondation Je vais vous le dire. Nous savons que Harry Seldon en avait désigné l'emplacement comme étant à l'autre bout de la galaxie. Mun nous a expliqué pourquoi il pensait que Seldon avait menti sciemment, et que cette fondation-là n'existait pas. Selon Peleas Antor, Seldon avait dit la vérité à ce propos, elle existait bel et bien, mais avait menti quant à son emplacement. Quant à moi, je vous dis que Harry Seldon nous a dit la stricte vérité sur toute la ligne. Mais alors allez-vous me dire en quoi consiste l'autre bout La galaxie est un objet aplati, de forme lenticulaire. La section transversale de cette lentille donne un cercle. Et un cercle, par définition, ça n'a pas de bout, comme Arcadia a bien fini par s'en rendre compte. Nous, les gens de la première fondation, nous nous trouvons sur Terminus, à la périphérie de ce cercle. Et maintenant, suivez-le, ce cercle. Suivez-le. Encore, encore. Aussi longtemps que vous voudrez. Vous n'en verrez jamais le bout. Au bout d'un moment, vous finirez simplement par revenir à votre point de départ. Et c'est précisément là que vous trouverez la seconde fondation. Là répéta Antor. Vous voulez dire... Ici même Oui. Ici même. s'exclama Darrell avec force. Où donc voudriez-vous qu'elle soit Vous avez dit vous-même que si les membres de la seconde fondation étaient les gardiens du plan Seldon, il serait peu vraisemblable qu'ils soient installés à l'autre bout de la galaxie, puisque, si tel était le cas, ils s'y retrouveraient dans un parfait isolement. Vous pensiez qu'une distance de cinquante parsecs était plus acceptable eh bien, je prétends que c'est encore trop loin. Bien mieux, aucune distance n'est admissible. Et où se trouverait-il le plus en sécurité Qui penserait aller chercher justement ici C'est toujours la même histoire en fait. Plus une cachette est facile à trouver, moins on pense à aller y regarder. Pourquoi pensez-vous que ce pauvre Ebling Miss a été à ce point surpris et désarçonné en découvrant l'emplacement de la seconde fondation. Il cherchait désespérément à la trouver, cette fondation cachée, car il voulait à tout prix l'avertir de l'arrivée imminente du mulet, et tout cela pour apprendre que le dit mulet avait déjà conquis les deux fondations dans la foulée. Pourquoi le mulet lui-même a-t-il finalement échoué dans sa quête C'était fatal. Lorsqu'on court après un ennemi insaisissable, on ne pense guère à le chercher parmi les adversaires qu'on a déjà conquis, si bien que les maîtres psychiques pouvaient à loisir prendre leur disposition pour arrêter le mulet. Et ils ont effectivement réussi. C'est d'une simplicité affolante en fait. Nous sommes là à comploter, persuadés que nous nous sommes entourés du secret le plus absolu, alors que depuis le début nous sommes au cœur de la forteresse ennemie, c'est à mourir de rire. Antor ne se départit pas de son expression sceptique. Vous croyez honnêtement à cette théorie, docteur Darrell J'y crois en toute sincérité. Alors un de nos voisins, un passant que nous croisons dans la rue, pourrait être un surhomme de la seconde fondation dont l'esprit est braqué sur le nôtre Auscultant nos pensées Exactement. Et pendant tout ce temps, nous avons pu vaquer à nos occupations, sans être jamais mentalement maltraités. Maltraités. Qui vous dit que nous n'avons pas été maltraités comme vous dites N'avez-vous pas démontré vous-même que Munn avait été manipulé Qui vous prouve que c'est de notre propre volonté que nous l'avons envoyé sur Kalgan ou que c'est en toute liberté qu'Arcadia a surpris nos conversations et est monté à bord de son vaisseau Moi je dirais plutôt que nous avons dû être maltraités du début à la fin. Et après tout, ils n'avaient pas vraiment besoin d'en faire plus. Ils ont davantage intérêt à nous égarer sur une fausse piste qu'à entraver directement notre action, vous savez. Antor se plongea dans une méditation profonde, dont il émergea insatisfait. Tout cela ne me plaît guère. Votre brouilleur psychostatique. À quoi voulez-vous que ça nous serve en fin de compte Nous n'allons tout de même pas rester enfermés à vie dans nos maisons, terrorisés à l'idée de sortir et de nous livrer à l'ennemi par ce simple geste, maintenant que nous croyons savoir ce que nous savons. À moins que vous ne puissiez construire un petit brouilleur portatif pour chaque habitant de la galaxie. Sans doute. Mais nous ne sommes pas complètement désarmés en tort. Ces hommes de la seconde fondation possèdent un sens spécial qui nous manque. C'est leur force, sans doute. Mais c'est aussi leur faiblesse. Citez-moi par exemple un moyen d'attaque qui soit efficace contre un homme normal et inopérant pour un aveugle. Certainement, s'empressa de répondre Munn, de la lumière dans les yeux. Exactement. Renchérit Darrell, il suffit de l'aveugler avec une bonne grosse lampe torche. Eh bien. Et après demanda Turbord. L'analogie est pourtant claire. Je possède un générateur de champ psychostatique. Il produit artificiellement un effet électromagnétique susceptible d'impressionner le cerveau d'un homme de la seconde fondation comme un rayon de lumière excite les cellules de notre rétine. Mais le brouilleur psychostatique opère à la manière d'un kaleidoscope. Son émission évolue constamment avec une vitesse que le cerveau récepteur ne peut suivre. Considérez maintenant une lumière clignotante, de celle qui vous cause immanquablement des maux de tête lorsqu'elle se prolonge pendant un certain temps. Maintenant, donnez à cette lumière ou à ce champ magnétique une intensité aveuglante. Vous provoquerez alors chez le sujet une sensation douloureuse, insupportable. Mais cela n'est valable que pour ceux qui sont dotés du sens approprié. Pas pour les aveugles, qu'il s'agisse d'aveugles sur le plan physique ou sur le plan mental. Vraiment demanda Antor avec un début d'enthousiasme. En avez-vous fait l'expérience Et sur qui Bien sûr que non, voyons, je n'ai pas encore pu l'essayer. Mais ça marchera, vous verrez. Eh bien alors, où se trouvent donc les commandes du générateur de champs qui protège cette maison je dois dire que je serais curieux de voir ça tenez le docteur darrell produisit alors un objet minuscule personne jusque-là ne s'était même aperçu qu'il avait quelque chose dans sa poche il lança avec désinvolture le petit cylindre garni de boutons à son interlocuteur antor l'examina avec soin et haussa les épaules Bon. Je ne suis pas plus avancé, en fait. Qu'est-ce qu'il ne faut pas que je touche là-dessus, Darrell Je ne voudrais pas couper le générateur sans le faire exprès et nous mettre à la merci de nos ennemis. Pas de danger. Dit Darrell avec indifférence. Les boutons sont bloqués. En guise de démonstration, il tenta de pousser un interrupteur qui refusa effectivement de bouger. Et cette molette-là elle sert à quoi Elle permet de varier l'amplitude de l'émission. Et celle-ci contrôle l'intensité. C'est à cette dernière que je faisais allusion. Ah oui Je peux demanda Antor. Tout le monde les entourait désormais. Pourquoi pas répondit Darrell. Nous, nous ne risquons rien. Lentement, Esquissant une grimace, Entor tourna le bouton dans un sens, puis dans l'autre. Turbor grinçait des dents, tandis que Munn clignait rapidement des paupières. On eût dit qu'il s'efforçait d'aiguiser les organes sensoriels inadéquats dont les avait pourvus la nature pour tenter de percevoir malgré tout cette impulsion immatérielle qui ne pouvait les affecter. Pour finir, Entor haussa les épaules et lança le petit appareil sur les genoux de Darrell. Bon, je suppose que nous devons vous croire sur parole. Mais il est difficile d'imaginer qu'il se passait quelque chose lorsque je tournais ce bouton. Darrell esquissa un sourire crispé. Naturellement, Péléa tort Celui-là, c'était un faux. Mais j'en ai un autre. Écartant un pan de sa veste, il se saisit prestement d'une autre télécommande, rigoureusement semblable, et qui se trouvait accrochée à sa ceinture. Regardez, dit-il. Et d'un seul geste, il tourna le bouton d'intensité au maximum. Avec un cri inhumain, Péléas centaure s'écroula sur le sol, il se roulait frénétiquement, le visage livide, ses doigts labourant convulsivement ses cheveux. Mun recula précipitamment pour ne pas entrer en contact avec le corps convulsé. Ses yeux reflétaient une indescriptible horreur. Ses et semblaient muets en statues de plâtre. Ils en avaient en tout cas la blancheur et la rigidité. Darrell, le visage sombre, ramena le bouton à zéro. Antor remua faiblement une ou deux fois et demeura immobile. Mais il vivait encore. Sa poitrine se soulevait spasmodiquement au rythme de sa respiration. Portons-le sur le canapé, dit Darel, en saisissant la tête du jeune homme. Aidez-moi! Turbor saisit les pieds. Ils eurent l'impression de soulever un sac de sable. Pourtant, au bout de quelques minutes, la respiration devint plus régulière et les paupières d'Antor palpitèrent. Son visage avait pris une horrible teinte cireuse. Ses cheveux et son corps étaient inondés de transpiration, et sa voix lorsqu'il parla était brisée et méconnaissable. Non, murmura-t-il. Non, arrêtez. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas... Oh Une longue plainte modulée s'échappa de ses lèvres. Nous arrêterons si vous nous dites la vérité, dit Darrell. Vous êtes un membre de la seconde fondation Donnez-moi un peu d'eau à boire, supplia Antor. Allez chercher de l'eau, Turbot, dit Darrell, et rapportez la bouteille de whisky. Il répéta la question après avoir fait avaler une rasade de whisky et deux verres d'eau au jeune homme. Celui-ci parut se détendre. Oui, dit-il d'un ton las, je suis un membre de la seconde fondation. Qui se trouve donc ici même, sur Terminus Oui. Vous avez raison sur tous les points, docteur Darrell. Bien. Maintenant, expliquez-nous ce qui s'est passé au cours des six mois écoulés. Parlez. Je voudrais dormir, murmura Antor. Plus tard. Maintenant, il faut parler. Antor laissa échapper un soupir haché, puis il se mit à parler à voix basse. Les mots s'enchaînaient à toute vitesse. Les autres se penchèrent pour ne rien perdre de ses paroles. La situation devenait dangereuse. Nous savions que Terminus et ses physiciens commençaient à s'intéresser au schéma psychique, et que la découverte du principe du brouilleur psychostatique n'était plus qu'une question de temps. Nous constations aussi une hostilité croissante à l'égard de la seconde fondation. Il fallait renverser cette tendance sans ruiner le plan Seldon. Nous avons tenté de prendre en main ce mouvement. Nous avons essayé de nous y intégrer. C'était une façon de détourner les soupçons et d'orienter vos efforts dans une autre direction. Afin de faire diversion, nous avons poussé Kalgan à entrer en guerre. C'est d'ailleurs dans ce but que j'ai envoyé Mun sur Kalgan. La maîtresse supposée de Stétine était des nôtres. Elle influait sur les actes de Mun dans un sens favorable à nos projets. Kalia est s'écria Mun, mais Darrell lui imposa le silence d'un geste. Antor poursuivit, sans s'apercevoir de l'interruption. Arcadia a suivi le mouvement. Nous n'avions pas compté sur son intervention. Nous ne pouvons tout de même pas tout prévoir. De sorte que Kalia l'a amené à se réfugier sur Trantor pour prévenir toute ingérence de sa part. C'est tout. Si ce n'est que nous avons perdu la partie. Vous avez tenté de me convaincre de partir pour Trantor, non? interrogea Darel. Antor hocha la tête. Je devais vous écarter de notre route. Vous nourrissiez alors un sentiment de triomphe grandissant qui ne pouvait avoir qu'une signification. Vous étiez en train de résoudre les dernières difficultés qui vous empêchaient encore de mettre au point le brouilleur psychostatique. Pourquoi n'avez-vous pas influencé mon esprit afin de pouvoir me contrôler? Je ne pouvais pas. Pas possible. J'avais des ordres, il fallait suivre le plan. Si j'avais improvisé, j'aurais faussé tous les calculs. Le plan n'indique que des probabilités, vous savez cela, comme le plan seldon. Il parlait d'une voix hachée, visiblement en proie à une profonde angoisse. Par moments, il en devenait presque incohérent. Sa tête se balançait de droite à gauche sous l'effet de la fièvre. Nous avions affaire à des individus, pas à des groupes. Probabilité incertaine, trop difficile à suivre. En plus, en vous manipulant, quelqu'un d'autre aurait inventé l'appareil. Pas la peine, il fallait agir sur le temps. Plus de subtilité. Le plan du premier orateur en personne. Connais pas tous les aspects de la situation, sauf pas marcher. Ah il s'effondra. Darel le secoua rudement. « Vous dormirez plus tard. Combien de membres comprend la Fondation ?»« hein Quoi hein hein Pas tant que ça. Vous n'allez pas le croire. Cinquante, c'est suffisant. »« Et ils sont tous sur Terminus. Cinq, six, outre-monde, comme Calia. J'ai sommeil. » Il se secoua soudain, comme par un effort surhumain, et son élocution gagna en clarté. Il tentait un dernier effort pour se justifier, pour minimiser sa défaite. J'ai failli vous avoir à la fin. J'aurais éteint le générateur. On aurait pu vous arrêter. Vous auriez vu qui étaient les maîtres. Mais vous m'avez donné une fausse télécommande. Vous m'avez soupçonné dès le début. Et finalement ils sont dormis. Depuis... Combien de temps est-ce que vous le soupçonniez demanda Turbor, visiblement impressionné. Depuis le jour où il est entré ici, répondit Darrell d'une voix posée. Il disait qu'il venait de la part de Clyse, mais je connaissais Clyse, et je savais en quels termes nous nous étions séparés. Dès qu'il était question de la seconde fondation, Clyse se comportait en véritable fanatique. C'est pour cela que finalement j'étais parti de son labo. Mais j'estime avoir agi de façon raisonnable. J'ai considéré qu'il valait mieux que je poursuive mes travaux de mon côté, qu'au bout du compte ce serait plus sûr. Mais je ne pouvais pas le dire à Clyse, d'ailleurs il ne m'aurait pas écouté. À ses yeux, j'étais un lâche, un traître, voire un agent de la seconde fondation. Il ne pardonnait jamais rien à personne. Du jour où je l'ai quitté et presque jusqu'à sa mort, il s'est abstenu de toute relation avec moi. Puis voilà que quelques semaines avant sa mort, il m'écrit, comme à un vieil ami, et me recommande son meilleur étudiant, son disciple le plus prometteur, et m'incite à faire de lui mon collaborateur afin de reprendre les recherches que nous avions menées ensemble autrefois. Ce n'était pas lui, ça. Jamais il n'aurait pris une pareille initiative s'il n'avait pas été soumis à une influence extérieure. C'est là que j'ai commencé à me demander si tout cela n'avait pas tout simplement pour but de me faire accepter sans méfiance un véritable agent de la Seconde Fondation. C'est bien ce qui s'est produit. Il soupira et ferma les yeux un moment. Qu'allons-nous faire de tous ces gens demanda Sémic d'une voix hésitante. Je parle de ceux de la seconde fondation. Je n'en sais rien, répondit Darel tristement. Nous pourrions peut-être les exiler sur Zoranel, par exemple. On pourrait les envoyer là-bas et saturer la planète de générateurs psychostatiques. On peut aussi séparer les hommes des femmes. Ou mieux encore les stériliser, et dans cinquante ans, la seconde fondation ne sera plus qu'un souvenir. Peut-être qu'une mort douce serait encore la solution la plus humaine. Croyez-vous, dit Turbore, que nous pourrions apprendre à nous servir, nous aussi, de cette faculté, ou bien l'ont-ils de naissance comme le mulet Je ne sais pas. Je crois au contraire que c'est le fruit d'un long entraînement, puisque l'encéphalographie démontre que le cerveau humain possède bel et bien cette faculté-là à l'état latent. Mais pourquoi faire Au bout du compte, ça ne leur a pas servi à grand-chose. Il fronça les sourcils. Bien qu'il restât parfaitement silencieux, une tempête se déroulait à présent sous son crâne. Tout avait été trop facile. Beaucoup trop facile. Leurs ennemis avaient échoué et s'étaient effondrés d'un seul coup, comme des méchants de romans feuilletons. Et ils n'aimaient pas ça du tout. Par la galaxie, comment savoir si quelqu'un n'était pas encore en train de tirer les ficelles Combien de temps cette affreuse incertitude allait-elle encore durer Arcadia allait bientôt rentrer, et il frissonna à la pensée de ce qu'il lui faudrait affronter le moment venu. Arcadia était revenu. Une semaine se passa, puis deux. Pourtant, il n'arrivait toujours pas à secouer le joug pesant qui paralysait ses pensées. Comment l'aurait-il pu par la vertu de quelque mystérieuse alchimie, l'enfant qu'il avait quitté lui était revenu femme. Elle était le lien qui l'attachait à la vie, le seul lien qu'il possédait encore avec une union douce amère qui avait à peine dépassé les limites de la lune de miel. Et puis, un soir, alors qu'il était déjà tard, il lui demanda aussi naturellement qu'il le put Arcadia, qu'est-ce qui t'a amené à penser que Terminus était le siège des deux fondations Ils avaient été au théâtre ce soir-là. Ils avaient eu droit aux meilleurs fauteuils, ceux qui sont équipés d'un écran tridimensionnel individuel. Elle avait mis une nouvelle robe pour l'occasion, et elle s'était sentie heureuse. Elle le considéra un moment avec des yeux pénétrants. Puis elle préféra éluder la question. Oh, en fait, je ne sais pas, ça m'est venu comme ça. Le docteur Darrell sentit une couche de glace se former autour de son cœur. Réfléchis, dit-il d'une voix insistante, c'est très important. Qu'est-ce qui t'a donné la conviction que les deux fondations se trouvaient sur Terminus? Elle se rembrunit légèrement. Eh bien, c'est peut-être à cause de Dame Calia. Je savais qu'elle était de la Seconde Fondation. Antor l'a dit aussi. Pourtant, elle se trouvait sur Kalgan, poursuivie d'Arel. Qu'est-ce qui t'a fait penser à Terminus Cette fois, Arcadia attendit plusieurs minutes avant de répondre. Mais oui. Au fond, qu'est-ce qu'il avait décidé Elle avait l'horrible impression de sentir la réponse lui glisser entre les doigts. Elle connaissait trop de choses, dame Kalia. Je veux dire, ses renseignements venaient forcément de terminus. Ça doit être ça, tu ne crois pas Il se contenta de secouer la tête. Je le savais. C'est tout, s'écria-t-elle. Plus je réfléchissais, plus je sentais que c'était ça. Ça ne pouvait pas être autre chose. Son père se contenta de la fixer le regard vague. Non, ça ne va pas. Arcadia, ça ne va pas du tout. Il faut se méfier des intuitions quand on a affaire à la seconde fondation. Tu comprends ce que je veux dire, non Tu dis que c'est une intuition, mais qui te dit que tu n'as pas été manipulé Manipulé Tu veux dire qu'il m'aurait changé Oh non, non. C'est pas possible, voyons. Elle fit un pas en arrière. En tort. Il a pourtant bien dit que j'avais raison, il l'a dit. Il a avoué, il a tout avoué. Et toute la bande, là, tu les as bien démasqués ici sur Terminus, hein. Mais dis-le, dis-le que c'est vrai. Elle eut du mal à reprendre sa respiration. Je sais, mais, Arcadia, dis-moi, tu veux bien me laisser examiner ton cerveau? Elle secoua violemment la tête. Non, non, j'ai trop peur. Tu as peur de moi, Arcadia. voyons, tu n'as rien à craindre, mais il faut que nous sachions la vérité. Tu peux comprendre ça dit Après cela, elle se tut et ne l'interrompit qu'une seule fois juste avant qu'il n'abaisse le dernier interrupteur. Elle s'accrocha à son bras et lui demanda et si je suis vraiment devenue différente. Qu'est-ce qu'il faudra que tu fasses Je n'aurai rien à faire du tout, Arcadia. Si tu es devenue différente, nous partirons, voilà tout. Nous retournerons sur Trentor, toi et moi. Et nous ne nous occuperons plus de rien ni de personne. La galaxie devra se passer de nos services. Jamais au cours de toute son existence, Darel n'avait eu à effectuer une analyse aussi longue, ni aussi pénible. Lorsque tout fut terminé, Arcadia se recroquevilla sur elle-même. Elle, elle n'osait pas regarder. Puis elle l'entendit éclater de rire, et elle n'eut pas besoin d'autres explications pour comprendre. Elle se leva d'un bond, et se blottit aussitôt dans ses bras déjà grands ouverts. Darel bafouillait. Il ne savait plus ce qu'il disait. Le père et la fille se serraient dans les bras l'un de l'autre au risque de s'étouffer. Darel expliqua. Le brouilleur psychostatique qui protège la maison est ton maximum et ton schéma psychique est normal. On les a eus, ça y est. Nous allons pouvoir reprendre une vie normale. Alors maintenant, on peut les laisser nous les donner nos médailles demanda-t-elle entre deux sanglots de joie. Comment as-tu découvert que j'ai demandé à être relevé de mes fonctions Il la tint un moment à bout de bras, puis se remit à rire. Peu importe, tu sais tout. Très bien, tu pourras recevoir ta médaille sur un podium, avec des discours et tout et tout. Père Oui. Tu veux bien m'appeler Arcadie à partir de maintenant Mais... Bon, c'est d'accord. Arcadie. Lentement, très lentement, Darrell prenait pleinement conscience de leur victoire. La Fondation, la première Fondation, la seule et unique Fondation à présent, était devenue la maîtresse absolue de la galaxie. Nul obstacle ne se dressait plus désormais entre eux et le Second Empire, suprême accomplissement du plan Seldon. Ils n'avaient plus qu'à tendre la main. Grâce à. Chapitre 22 La réponse qui était la bonne Une pièce secrète sur un monde indéterminé Et un homme dont le plan a fini par se réaliser Le premier orateur tourna son regard vers l'étudiant Ils étaient cinquante Des hommes? des femmes dit-il cinquante martyrs ils savaient qu'ils risquaient la mort en faisant cela ou l'emprisonnement à vie et nous ne pouvions même pas les aider compenser leur faiblesse réorienter leur mental eût été nous trahir et pourtant ils n'ont pas faibli ils ont mené le plan à son terme par amour du plan supérieur Aurait-on pu réduire leur nombre? demanda l'étudiant d'un air peu convaincu. Le premier orateur secoua lentement la tête. C'était le strict minimum. Au-dessus de ce nombre, il leur aurait été impossible d'entraîner la conviction. Une parfaite objectivité aurait exigé un nombre de soixante-quinze pour tenir compte de la marge d'erreur, mais peu importe. Avez-vous étudié le déroulement de l'action tel qu'il a été élaboré par le Conseil des orateurs voilà quinze ans Oui, orateur. Et vous l'avez comparé aux développements actuels Oui, orateur. Puis, après un court silence, il ajouta Je suis absolument confondu, orateur. Je sais. Votre étonnement ne me surprend pas. Si vous saviez combien d'hommes ont travaillé pendant des mois, que dis-je des mois, des années, pour donner à cette œuvre le fini de la perfection, vous seriez moins étonné. Maintenant, expliquez-moi, en parlant cette fois, ce qui s'est passé. Je désire que vous traduisiez cela du langage mathématique. Oui, orateur. Le jeune homme ordonna ses idées. Il était primordial de persuader les hommes de la première fondation qu'ils avaient démasqué la seconde fondation et qu'ils étaient parvenus à la détruire définitivement de cette façon ils recouvreraient leur initiative originelle à tout point de vue terminus perdrait la notion de son existence et ne nous ferait plus intervenir dans aucun de ses calculs une fois de plus nous nous retrouvions à l'abri des regards au prix de la perte de cinquante hommes. Et le rôle de la guerre calganienne Quel était-il De démontrer à la Fondation qu'elle était capable de vaincre un ennemi physique, d'effacer les dommages causés à son amour-propre et à sa confiance en soi par le mulet. Votre analyse est incomplète sur ce point. Souvenez-vous. La population de Terminus nous considérait avec une nette ambiguïté. D'une part, elle haïssait et jalousait notre supériorité présumée. Et d'autre part, elle s'appuyait implicitement sur nous pour sa protection. Si nous avions été détruits avant la guerre Calganienne, la panique se serait déclarée à travers toute la Fondation. Il n'aurait jamais eu le courage suffisant pour résister à Stettin lorsqu'il aurait déclenché son attaque, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire. C'est seulement dans l'euphorie de la victoire que cette destruction pouvait avoir lieu avec le minimum d'inconvénients. Un délai consécutif d'un an aurait été trop long. L'enthousiasme retombé, nous aurions perdu notre meilleure chance de succès. L'étudiant hocha la tête. Je vois. Ainsi l'histoire va reprendre son cours sans dévier dans la direction indiquée par le plan à moins d'incidents imprévus de caractère individuel, fit remarquer le premier orateur. Et pour y parer, dit l'étudiant, nous serons toujours là. Pourtant, tout de même, il y a un aspect bien particulier de la situation présente qui m'inquiète encore, orateur. La première fondation est toujours en possession du générateur de champs psychostatiques, une arme redoutable. Voilà en tout cas qui serait de nature à changer la donne. Votre remarque est pertinente. Mais, faute d'adversaire, cet artifice devient sans objet. De même que, privé de l'aiguillon de la menace que faisait peser sur eux notre influence, l'analyse encéphalographique deviendra une science stérile. D'autres variantes de la connaissance leur apporteront des résultats plus tangibles et plus immédiats si bien que la première génération des spécialistes de la science psychique sera aussi la dernière. D'ici un siècle, le brouilleur psychostatique ne sera plus qu'un souvenir enseveli dans des archives poussiéreuses. Eh bien, l'étudiant s'empressa d'examiner mentalement la situation. Je suppose que vous avez raison. Mais le point sur lequel je désire attirer votre attention, jeune homme, pour le plus grand bien de votre avenir au sein du Conseil. C'est l'importance que nous avons accordée aux infimes interférences qui ont affecté notre plan au cours des quinze dernières années, en raison du fait que nous devons tenir compte des réactions individuelles. C'est ainsi que Péléas en devait attirer les soupçons sur sa personne, de manière telle que ces soupçons viendraient à maturité au moment approprié. Mais cela, c'était relativement simple. Nous devions également manipuler l'atmosphère régnant sur Terminus, de telle manière que nul ne soit averti prématurément que la planète pourrait bien être l'objet des recherches. Cette notion devait être installée à la jeune Arcadia, dont seul son père aurait ensuite la garde. Par la suite, il a fallu l'expédier sur Trentor pour prévenir tout contact prématuré entre le père et l'enfant. Ces deux êtres constituaient en quelque sorte les deux pôles opposés d'un moteur hyperatomique dont aucun ne réagissait sur l'autre. Il fallait actionner le commutateur, provoquer le contact, très exactement au moment prévu. J'ai veillé à ce qu'il en soit ainsi. Et il convenait que la bataille finale pût être convenablement menée. Les équipages de la flotte de la Fondation ont vu leur morale exaltée, Cependant que ceux de Calgan étaient conditionnés pour la défaite, j'y ai veillé également. Orateur, il me semble que vous, enfin je veux dire, que nous tous ici, comptions sur le fait que le docteur Darrell ne soupçonnait pas Arcadia d'être notre instrument. Si j'en crois la vérification à laquelle je me suis livré sur nos calculs. Il y avait trente chances sur cent qu'il soupçonne la vérité. Que se serait-il passé dans ce cas? Nous avions prévu cette éventualité. Que vous a-t-on enseigné exactement à propos de ce palier qui apparaît sur l'encéphalogramme des sujets réorientés? De quoi s'agit-il? Ce palier n'indique en aucun cas une déformation émotionnelle. On peut tout à fait procéder à cette opération sans qu'il soit possible de la détecter, fût-ce par la plus précise et la plus délicate des analyses encéphalographiques. C'est la conséquence du théorème de Leffert, comme vous le savez. C'est le prélèvement, la suppression d'une tendance émotionnelle existante qui seule laisse des traces. Cela, par contre, c'est inévitable. Et bien entendu, Antor a fait en sorte que Darel soit pleinement informé de cette manipulation. Cependant, dites-moi, à quel moment peut-on conditionner un individu sans que la chose soit visible Lorsqu'il n'existe aucune tendance préalable qu'il soit nécessaire d'extirper. En d'autres termes, lorsque l'individu est un enfant nouveau-né, dont le cerveau est encore une cire vierge. Il y a quinze ans, Arcadia était précisément à nouveau-né, ici même sur Trentor, à l'époque où nous posions la première pierre du plan. Elle ignorera toujours qu'elle a été conditionnée, et ne s'en trouvera que mieux, puisque ce conditionnement impliquait le développement d'une personnalité précoce et intelligente. Le premier orateur se permit un petit rire de contentement. En un certain sens, c'est le côté paradoxal de toute l'affaire qui est le plus stupéfiant. Pendant quatre cents ans, tout le monde a été obnubilé jusqu'à l'aveuglement par l'expression qu'avait employée Seldon l'autre bout de la galaxie. Ils ont employé toutes les connaissances physiques qu'ils avaient alors à leur disposition pour tenter de résoudre le problème. Ils ont essayé de mesurer l'autre bout. Avec leurs règles et leurs rapporteurs, soit pour aboutir en un point situé à 180 degrés sur le périmètre de la galaxie, soit pour revenir tout simplement à leur point de départ. Cependant, le plus grand danger que nous encourions résidait dans le fait qu'il existait bel et bien une solution possible, basée sur une conception strictement physique de l'univers. La galaxie n'est en aucune manière un objet ovoïde de forme lenticulaire. Sa circonférence ne constitue pas davantage un circuit fermé. Il s'agit en réalité d'une spirale double. D'ailleurs, 80% des planètes habitées se situent le long du bras principal. Terminus se situe à un bout de cette spirale principale, et nous à l'autre. En effet, l'autre bout d'une spirale, qu'est-ce donc en définitive, sinon son centre Mais cela, c'est un détail. Cela n'a aucune importance. C'eût été une solution accidentelle et fortuite. La véritable solution aurait pu être trouvée immédiatement. Si seulement les chercheurs avaient voulu se souvenir que Harry Seldon était un spécialiste en sociologie et non un physicien, et s'ils avaient ajusté leur raisonnement en conséquence, que pouvait signifier l'expression l'autre bout dans la bouche d'un sociologue Des points diamétralement opposés sur la carte Non, bien entendu, ce serait là une interprétation purement mécanique. La première fondation se trouvait placée sur la périphérie, à l'endroit où l'empire originel était le plus faible, où sa civilisation exerçait son influence avec le moins d'efficacité, où sa richesse et sa puissance étaient pratiquement absentes, où se trouve alors, socialement parlant, l'autre bout de la galaxie. C'est évidemment l'endroit où l'empire originel était le plus puissant, où sa richesse et sa culture était le plus fortement représenté, ici même, en plein centre, sur Trentor, métropole de l'Empire à l'époque de Seldon. Il ne pouvait en être autrement. Harry Seldon avait laissé derrière lui la Seconde Fondation avec mission de maintenir, d'améliorer, de développer son œuvre. Voilà cinquante ans qu'on le sait ou du moins qu'on le devine. Mais où donc ce programme pouvait-il le mieux se réaliser Sur Trentor, où le groupe de Seldon avait travaillé et où s'étaient accumulés les documents recueillis au cours des décennies Et c'était le rôle de la seconde fondation, de protéger le plan contre ses ennemis. Cela, on le savait également. Et où se trouvait la source des plus grands dangers qui menaçaient Terminus et le plan Ici. Toujours ici. Sur Trentor, où l'Empire, quoique agonisant, aurait pu encore pendant trois siècles détruire la fondation, s'il avait pu s'y décider. Puis, après la chute, la mise à sac, et la destruction totale de Trentor, il y a de cela à peine un siècle, nous avons pu naturellement protéger notre quartier général. De toutes les infrastructures de la planète, seule la bibliothèque impériale et les territoires attenants sont demeurés intacts. Curieux, vous ne trouvez pas Le fait était d'ailleurs bien connu de toute la galaxie. Pourtant, cet indice hautement révélateur est passé totalement inaperçu. C'est ici même, sur Trentor, qu'Ebling Miss nous avait découvert, et c'est encore ici que nous avons fait en sorte qu'il ne survive pas à cette découverte. Pour ce faire, nous avons dû nous arranger de telle sorte que les pouvoirs extraordinaires du mulet soient annihilés par une jeune fille tout à fait ordinaire issue de la Fondation. Un exploit aussi phénoménal. N'aurait pas manqué d'attirer les soupçons s'il s'était produit sur une autre planète. C'est ici que nous avons pour la première fois étudié le mulet et échafaudé les plans qui devaient provoquer sa défaite finale. C'est ici qu'est née Arcadia et que s'est amorcée la chaîne des événements qui allait déterminer le grand retour du plan Seldon. Et si tous ces défauts de notre cuirasse, ces trous béants, son passé inaperçu, c'est tout simplement parce que lorsque Seldon avait parlé de l'autre bout, il avait une certaine idée en tête et que l'on comprit autrement. Depuis longtemps déjà, le premier orateur ne s'adressait plus véritablement à l'étudiant. C'était à lui-même en réalité que s'adressait cet exposé. Debout devant la fenêtre, il contemplait l'incroyable luminescence du firmament, cette vaste galaxie qui avait maintenant retrouvé pour toujours la sécurité. Harry Seldon, appelait Trentor, finissent-elles murmura-t-il. Là où finissent les étoiles. Pourquoi pas, après tout C'est une belle image vous ne trouvez pas? L'univers tout entier obéissait autrefois aux directives venues de ce minuscule caillou, perdu dans l'immensité de l'espace. Toutes les routes des étoiles convergeaient jadis ici même. Tous les chemins mènent à Trentor, dit un proverbe de l'Antiquité. Et ici les étoiles. Finissent -elles. Huit mois plus tôt, le premier orateur s'était trouvé très exactement dans la même situation. Il contemplait alors, comme aujourd'hui, ce formidable amoncellement d'étoiles, nulle part aussi dense qu'au centre de ce gigantesque amas de matière que l'homme appelle la galaxie. Il avait alors le cœur empli d'appréhension, mais à présent, en dépit de sa gravité, une authentique satisfaction était clairement lisible sur la face ronde et rubiconde de Prime Palver, premier orateur de la Seconde Fondation. Merci et à bientôt chez Audible.